Us presentaré breument la Birte Wassenberg, que començarà ella a fer la primera conferència sobre l'adhesió dels microestats al Consell d'Europa, un primer pas cap al reconeixement com a actors de la integració europea. La Birte, ens coneixem fa uns quants anys ara, és doctora en Història de les Relacions Internacionals, és catedràtica d'Història Contemporània a l'Institut d'Estudis Polítics de la Universitat d'Estrasburg, és investigadora al Centre de Recerca Dinàmiques Europees de la mateixa universitat, organitza un munt de seminaris i col·loquis al voltant de les qüestions europees, va publicar, entre altres, una història del Consell d'Europa de 1949 a 2009 i s'ha dedicat, va ser publicat en 2013, i es publica ara, es dedica a una sèrie d'obres publicades sobre la cooperació transfronterera que es diu Viure i pensar la cooperació transfronterera des de 2009. I l'última obra va ser publicada fa pocs anys. És membre també de la xarxa europea TEN, que és una xarxa en la qual reagrupa, de fet, instituts de formació europeus sobre la cooperació transfronterera, així com Centre de Recerca i d'Investigacions. Bé, doncs deixo la paraula a la Birte, que us farà la conferència en anglès i per als que no entenen l'anglès ja teniu els traductors. A tu, Birte, i moltes gràcies. I have the pleasure to do my intervention, which I usually should have done already in October, but this specific circumstances in Catalonia did not allow me to hold this conference then, so I'm very pleased to be able to do it now. My topic is the accession of microstates to the Council of Europe as a first step towards their recognition as actors of European integration. And I'm not so much a specialist of microstates in themselves, but more a specialist of the Council of Europe. I think you can learn a lot about them as international actors if you look at the admission procedure of them to the Council of Europe. Microstates are a very interesting phenomenon. They are often seen as laboratories of governance because they are very small. So small that they need to develop specific tools in order to be recognized as independent political actors. And especially in terms of foreign policy, they are often discarded as insignificant players in international relations. However, throughout the 20th century, with increasing globalization and decreasing monopoly of the nation state as an international actor, they have developed their own capacity of foreign diplomacy, and they are sometimes even used as mediators between the great world powers, and in other times they have become important micro-diplomats in their specific regional area. Now, the microstates usually hold privileged relations with their neighboring states. You can quote Liechtenstein and Switzerland, or France and Monaco, or Italy and San Marino. But whereas bilateral relations are usually the daily business of European microstates, their participation in international and European organizations has taken a much longer time to realize. Apart from Luxembourg and Iceland, who admitted almost immediately in the United Nations in 1945-46, most of the other microstates only joined the international organizations from the 1990s onwards. As regarding European integration, only Luxembourg has been from the start at the heart of the project of European integration, and being a member state of the European and Steel Community in 1951. And only Malta has so far since integrated the European Union in 2004. And if the membership in the EU is an exception for microstates, except for the Vatican, which for obvious reason cannot be integrated in the European Union. They have all progressively joined the first European integration, which was set up in 1949 in Strasbourg, the Council of Europe. And what's the problematic question in my presentation today is, why have these microstates access to the Council of Europe, and why are they not part of the European Union? And what is their attitude to the European integration process, and is it because they prefer intergovernmental cooperation, which is represented by the Council of Europe, in contrast to the supranational integrationist approach of the European Union? Or is it, this is the other option, is the Council of Europe, which it has been for other member states, a first step towards further European integration, meaning a first step towards the integration into the European Union. And in order to do this, I would like to deal in the first part of my intervention with the microstates in general, giving a definition which might not be accepted by everybody, but for my intervention, I have a large approach to what is a microstate. And a second part, and also to explain briefly what is the Council of Europe. I won't go too much into the history of the Council of Europe, but to present the organization to which they will be integrated from the 1950s onwards. And then in the last part, I would like to have a brief look also at this relationship of microstates, whether their integration into the Council of Europe is a first step to the European Union, meaning does accession to the Council of Europe facilitate relations with the European Union? Now, the definition of a microstate, what is a microstate? There is, as far as I know, no consensus on the definition of what a microstate is or how it can be defined. There are also, if you look at the terminology, there are various expressions how to qualify a microstate. They vary from mini-states to very small states, or to micronations. My preferred expression is the German one. We sometimes call them Zwergstaaten. Zwergstaaten is dwarf states, which is, of course, rather stigmatizing if you call them dwarf states. So there's no, in the terminology, you have a lot of words to qualify microstates, but what they do have to, what the definitions do usually do is they distinguish microstates from what is called more that partial states, or we call in German Teilstaaten, which means smaller units of a federation, as for example the German Länder or the Belgian regions. Generally, a microstate has to be a sovereign state. We have a legal specialist who probably better explain the legal definition. Normally, they are characterized by a very small population, or a very small territory, and usually both. The problem is that there's no clear definition of what the size of the population has to be, or the territory is required, which territory is required, so that the definition remains a qualitative and not a quantitative definition. I would like to use the following definition of a microstate, which was given by Dumienski in 2014. They are political entities with unique features linked to their geographic and demographic limitations. So it's a rather large definition. Also in most political sciences approaches, microstates are defined with regard to a special relationship they have with a neighboring country, for example, Liechtenstein and Switzerland, as I already said. All of the European microstates function normally in a very close and voluntary association with their respective larger neighbor. Membership in the UN is also an indicator, or has become an indicator, of their sovereignty. So if a state is a member of the United Nations or not will qualify them as the potential international actor. Most scholars identify in Europe at least the following microstates: Andorra, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, San Marino. The Vatican is also often quoted as the smallest microstates, but some, for political reasons, because it's of course a very sui generis state, do not accept them as a true microstate in political terms, not a democracy. And Iceland is also sometimes called as a microstate because of its small population. I will include in my presentation the Vatican and Iceland, because they are both linked to, Iceland is a member of the Council and the Vatican is linked to the Council of Europe. Now, what is the Council of Europe? well, here we have a map of the microstates. I can skip this. What's the Council of Europe? The Council of Europe is usually not very well known in, today as an important European organization. It's a little bit forgotten about. It was, however, the first European organization which was set up after the Second World War as the achievement of what is called usually the European idea, the idea to achieve a greater unity between the European people and between the European states. And this is, as such, written in the Council of Europe Statute from 1949. We have 10 member states, founding member states of the Council of Europe. It's the member states of the European Community, the five founding member states of the European Community, not Germany as the founding member, but the United Kingdom is founding member of the Council of Europe. And then we have also Scandinavian states being member of the Council of Europe, mainly Norway and Sweden. And so I have always called the Council of Europe as being the large Europe because it has integrated always the largest number of European, Western European states, because when the Council of Europe was founded, it was founded in 1949. This was at the beginning of the Cold War, so only the Western European states could be integrated in that European organization. The Council of Europe is not the only European organization. Of course, it's set up alongside with the other European organizations, and it's will be in competition with the smaller Europe, meaning the European Coal and Steel Community, which is set up in 1950 and then becomes the European Community in 1957 and the European Union in 1992. The origins of the Council of Europe are normally traced back to the famous Winston Churchill speech in the University of Zurich in 1946, where he called to form a United States of Europe. And this speech has then led to the Congress of The Hague in 1948, where the Europeanists met, and this then led to the founding, to this first European organization, which is known mainly because of its... Sorry. Which is mainly known today because of its Court of Human Rights. The Court of Human Rights was only set up in 1959. It's the organization which controls the Convention for the Protection of Human Rights, which was signed in 1950. The Council of Europe its main task today is to control the respect of human rights of its now 47 member states. I put here including Russia and Turkey to put the emphasis on the difference with regard to the European Union, because I believe that the difference with the European Union, geopolitically speaking, mainly that Russia and Turkey are part of the Council of Europe, but we are today talking about the microstates. Another difference of the Council of Europe is that the microstates are all part of the Council of Europe, and not all of them are part of the European Union. The Council of Europe is known as an intergovernmental organization, meaning there is no transfer of sovereignty of its member states to the European organization. The Council of Europe intervenes in all spheres of cooperation, ranging from education, culture, environment, health, its sports, etc. It has concluded over 200 conventions today. The most known one is, of course, the Convention on Human Rights Protection, but the second most known one is the Convention 54 on Cultural Cooperation, and this is an important one also for the microstates, because very often the first conventions that they integrate is the one on cultural cooperation, which has been adopted by the Council of Europe. The Council of Europe has certainly some assets which make the organization very attractive for microstates. It has succeeded to develop a new type of European law with a wide range of conventions, agreements, and charters. And these conventions are softer law than the community law, which is more, which is above the national law. It has a more supranational character. So their conventions might seem for microstates as a tool for cooperation more attractive than the very constringent community law. But the Other important feature of the Council of Europe is that it has from the start also developed cooperation not only in the economic field, but also in soft cooperation fields like culture, education, social affairs, fields where you can very easily build up international cooperation without having to give up your sovereignty and have a supranational functioning. So the interesting part of the Council of Europe for states like the minor states, its flexibility of cooperation and its flexible tools that has developed not only legal tools but also commissions like the Venice Commission, which is very known, which are functioning in a way that allow for a very innovative and flexible way to be associated to the organization. Not only microstates from within can cooperate with the Council of Europe, Council of Europe also cooperates with external states like Mexico, Japan, which are observers in the organization, so it also has an international visibility which might be interesting for the microstates. Now, considering the Council of Europe, the Article 3 stipulates for the membership that you have to be respect three basic values, respect of human rights, rule of law and democracy. And there's a fourth criteria for admission is that you have to be a European state. This is not a problem for the European microstates. It has been a problem for the states of the ex-Soviet Republic where to draw the geographical line of Europe, but not for the microstates. For the microstates, the question of accession to the Council of Europe was whether they could be considered, in fact, as or not, as independent sovereign states. That had to be evaluated by the Council of Europe. And if we look now at the accession of the different microstates, I have identified three types of microstates. First, Luxembourg and Iceland, who are founding or almost founding members. The second microstate type are the ones that joined before the end of the Cold War, which are Malta, Liechtenstein and San Marino. And then we have the last type of microstates, which are Andorra, Monaco, which joined after the fall of the Berlin Wall. And finally, we also have to consider this Vatican, which has not become a member, of course, of the Council of Europe, but which is closely associated to the organization. Now, Luxembourg and Iceland, you see 4950. It's very important to realize that Luxembourg has joined the organization from the start, not only a founding member, but it was also the Council of Europe was set up first via the negotiations in the so-called Brussels Treaty, and the Brussels Treaty include 5 member states, including Luxembourg. So the Luxembourg small state of Luxembourg, the microstate, has the prestige of having been in the very small club that prepared the setting up of the Council of Europe as a founding member state. And there has never been any question of this state being not able to fulfill any international obligations or any capacity of being a European main actor. To the contrary, we have very important leaders in Luxembourg, Joseph Bech, or, well, I won't say too much about Luxembourg because we will have Luxembourg represented later on, Pierre Werner, so we have important figures in the history of European integration represented by Luxembourg. Maybe let me just mention one actor important for the Council of Europe, which is who is Jean-Claude Juncker, who before he became president of the Commission has presented in 2006 a report for the Council of Europe on the relationship of the Council of Europe with the European Union, and this report has led to the so-called Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the European Union, and is now the main document regulating the relationship between the two European organizations. The case of Iceland is a little bit different. If you look at Iceland, Iceland has joined together with Greece and Turkey, and the reasons to make them join very quickly into the Council of Europe were clearly geopolitical. They wanted to integrate these countries into the Council of Europe because of the coming up of the Cold War. They were also NATO members, and Iceland has deposited its instrument of accession as soon as the 9th of March 1950. And from the first session of the Committee of Ministers of the Council of Europe, Iceland has actually participated in the Council of Europe's work, and we can all. And there was no debate either on the question whether Iceland could be or not admitted as a microstate. The only interesting thing for Iceland is there was one vote in the Iceland parliament against the accession to the Council of Europe. So there was no unanimity in Iceland. If you look today at the accession with the European Union, you can see that the negotiations, I will come back to this maybe later if I've got time, the opposition towards the integration of the European Union is much stronger in Iceland than the one to the Council of Europe. Now, concerning Malta, the next microstate to integrate the Council of Europe is Malta, and this is already a more delicate case of admission because it did not raise a general debate in the Council of Europe about the ability of microstates to participate, but Malta was part of what is called in the Council of Europe's history the Mediterranean enlargement, together which started with Cyprus in 1961, and it brought with it some questions related to the process of decolonization. And the membership application was first, when it was first posed in 1964, it was considered as a very positive sign in the Council of Europe that Malta was, as an independent state, was now willing to cooperate with Europe and with the states of Western Europe and take part into European construction process. And so the report, which was presented on its membership application in 1964, was completely positive. There were no doubts about the fact that Malta belonged to the European family. And the only interesting thing at the admission procedure for Malta was that for the first time the Council of Europe actually advised Malta to sign the Convention on Human Rights Protection. This was the beginning of having a stricter approach to admission in the Council of Europe, making member states in advance or suggesting to them to sign and ratify the Convention of Human Rights Protection as a kind of safeguard that these states would actually really protect human rights once they're admitted in the Council of Europe. So Malta joins in 1965. There were, however, problems with Malta later on in the 1980s because of the so-called pairing procedure in the Assembly. As, in the Assembly of the Council of Europe, you have to have a delegation which represents members of the leading, the governmental parties, but also members of the opposition. And there was an internal affair in Malta, which opposed the leading Labour Party and the opposition party, and the Labour Party then refused to send its members to Strasbourg. And in fact, the Assembly, the Council of Europe, did not like the fact that the opposition, that the delegation of Malta was not complete, and there was a real dispute between the authorities in the Council of Europe and the Maltese delegation. And what's interesting in the dispute is that the Maltese government actually threatened to leave the Council of Europe. So the small microstate threatened to leave the Council of Europe. Of course, they were not really serious about this, and of course they did not leave the Council of Europe, but they deliberately chose to have this major threat of pulling out of the Council of Europe, and this dispute about the delegation took a long time to be resolved. It was only in 1985, it took about 5 years in all, when finally the Council of Europe managed to negotiate with Malta so that they could come again with a delegation which was complete, which meaning that the opposition and the ruling party members were represented. The most interesting part for microstate in the Council of Europe was the admission of Liechtenstein, and that was in 1978. And why? Because it was the first time when we had a general questioning of the ability of microstates to become full members of a European organization. And Liechtenstein when Liechtenstein applied, we already had three micro-states. We had Luxembourg, Iceland, and Malta. But this fundamental question was raised mainly because of its special relationship with Switzerland. And there were voices expressed in the Parliamentary Assembly at the time that Liechtenstein, which was the smallest microstate at the time, with only 30,000 inhabitants and 160 square meters of geography, of space, that because of the relationship, the close relationship with Switzerland, Liechtenstein would not be able to pursue an independent policy, foreign policy in the Council of Europe. And Liechtenstein had a very progressive approach to membership in the Council of Europe. In fact, the Duchy of Liechtenstein, they developed relations with the Council of Europe from the 1970s onwards, and they were first admitted as an observer in the Assembly, so they were allowed to have members from the Liechtenstein Parliament to assist in the Assembly, and they were also invited to take part in some of the conventions, as I mentioned before, for the Cultural Convention, the Council of Europe, and the official, so it was during the whole 70s that Liechtenstein already approached politically the Council of Europe, and the official application was submitted in 77, and nobody thought that there would be a big debate on Liechtenstein. Everybody thought that because of this close relationship, they would be integrated rapidly, and it was at the level of the Committee of Ministers, because an application to the Council of Europe is given to the Committee of Ministers. They then give it to the Parliamentary Assembly, which debates and then decides on the admission. And in the committee, the French, the Belgians, and the UK representatives were against the application. And of course, the Swiss were in favor, and they were supported by the Germans and the Austrians, and so there was a real opposition. And in the end, the Committee of Ministers said, okay, let's put this debate to the Assembly, so they passed on the application to the Assembly, and here we had a real debate on the microstates. And the debate ended up by saying that you cannot refuse a member state in the state in the Council of Europe on behalf of its size. You cannot say the size is a criteria to say that a member cannot be, a state cannot be admitted in European cooperation. So in principle, this is a very important point for microstates. And this was settled with the application of Liechtenstein, which was then admitted in 1978. And the next state was San Marino, and San Marino had, of course, no longer the same problems as Liechtenstein, because this principal debate had been settled with the admission of Liechtenstein. So nobody could come again saying, oh, a microstate just too small, we cannot have it in the Council of Europe. However, there were less favorable conditions when San Marino applied for membership. Why? Because San Marino, in fact, didn't have any relations at all with the Council of Europe. To the contrary of Liechtenstein, San Marino had never developed any technical cooperation with the Council, had not access to any of the conventions, had not had an observer in the Council of Europe, and so it was a complete newcomer in the Council of Europe. And also San Marino had not been very interested itself in European affairs, and that was only when it had participated in the Conference of Security and Cooperation in the from 1969 to 1974, that it discovered the interest in foreign policy and to become an actor in international relations. And in 1981, San Marino then approached the Council of Europe, and here we have the fact that we have a Deputy Secretary General. He was Italian, Adinolfi. He was a Secretary General from Italy, so he, of course, favored the approach by San Marino. And what's interesting here is to see that the Council of Europe was more intelligent in a way this time, having the experience of this debate, this horrible debate, which was quite passionate in the Assembly with Liechtenstein. They decided for San Marino to do it differently. The Assembly actually said, okay, we will not have the debate now, and we will not take the candidature of San Marino, but we will have the debate, we will see whether San Marino can be admitted as an observer in the Assembly. So the debate was shifted before the application period to the question, can San Marino send observers to the assembly? And this is done in the Council of Europe. They have a political committee in the assembly, and the political committee did a report. They investigated on San Marino, and they did in fact the work already on the admission procedure before not admitting San Marino as a candidate, but admitting San Marino as an observer. So then we were granted observer status. In 1983, this was already a first step towards admitting the country, because they had really looked carefully into San Marino's democratic institutions to see whether they were able to be admitted as a full member. And then they were also, I mean, before joining the organization, they also joined the Cultural Convention in 1986. And then in 1988, when they officially actually were, when the debate took place, it was done really smoothly and without any problem, because everything had been, in fact, already clarified in advance. So this is the last microstate to join before the fall of the Berlin Wall. And after this, we have the two last microstates being Andorra and Morocco. And of course, normally, when you look at the Council of Europe, the before 89 and after 89 enlargement procedures are very different, because after 89 you have all the East Central and Eastern European states, but also the ex-Soviet republics and the ex-Yugoslav republics joined in the Council of Europe, and there are big debates on the admission of Russia, for example, in the Council of Europe, or Georgia, and there are, of course, very important geopolitical questions raised with these candidates, these big candidates coming into the Council of Europe. This was not the case for Andorra and Monaco, but they were still suffering, if you like, from the fact that the enlargement procedure to the east brought with it some stricter criteria for admission. In fact, what happened after the first eastern enlargement of the Council of Europe to Central and Eastern Europe is that the Council of Europe realized that some of these newcomers, mainly Romania, but also later on Croatia, they did not really fulfill the standards of the Council of Europe, protection of human rights, democracy and the rule of law. They were admitted more for political reasons, and there was a problem with a real respect of these basic values. And in order to remedy this, problem with the standards of the Council of Europe, and to avoid that the Council of Europe becomes only a school for democracy and not a club of democracy, they invented some stricter tools to watch the candidates to the Council of Europe. The stricter rules were that they would give, as a prerequisite for admission, people, the states, candidates had to sign and ratify the Convention on Human Rights Protection, but also there was a whole list of conventions that the member states, depending on their conditions, had to sign and ratify. For example, before joining the organization, for example, the Charter of Local Self-Government is one of the texts that usually is required for admission. Or the convention, another important one for the protection of minorities, is another one as a prerequisite. So it's stricter. The Council of Europe has regarded very much into these conditions of admission, and this means also that when the state's admission is debated in the assembly, the committees that are charged to go and see the country and look whether they are ready for joining the country, they have very strict reports on the standards of human rights, of rule of law, of democracy. And so it's not surprising to see that when we have the two last micro-states joining, they looked more closely into the conditions of the state and their legal, their constitutions, their electoral rights, their protection of human rights. And you could see this happening with Andorra, for example. They had considered already in 89 to join the Council of Europe, but the first report of the Political Committee of the Council of Europe, in fact, was presented in May 1990, and they said it was too soon to invite Andorra to become a member of the Council of Europe because there were still problems with its constitution. And so they invited the country to proceed with a constitutional reform and that they should do this in advance before putting forward the official membership application. And they did this in November 1993. And then the debate in this assembly looked closely at this new constitution, and they found that Andorra had actually remedy to all the problems that they still had in their constitution, that could that the constitution now really protected human rights and the liberal, fundamental liberal rights, human rights and democratic rights in the country. And so in 1994, the Andorra became a full member of the Council of Europe. With Monaco, it was still even more complicated. Monaco had a very long period of time, when negotiation time with the Council of Europe. From 1998 to 2004, it took for Monaco to be accepted in the Council of Europe. The problem for Monaco was mainly its dependence on France. And in fact, the main obstacle was therefore the sovereignty, the question of sovereignty of the of Monaco, and this was settled in 2002 when France and Monaco actually revised the 1918 treaty, and the sovereignty then was clarified, and this was the point when the negotiations could really start with Monaco, and the debate on Monaco took place in 2004, and there the members of the Assembly actually realized that Monaco had a very specific condition because of the number of non-Monacan residents in the Monacan territory. They accepted a certain number of exceptions to the normal standards of the Council of Europe because of this specific character, but they also asked Monaco to sign a certain number of the conventions of the Council of Europe in order to make sure that the Monegasque people had all the same rights, especially the social charter had to be adopted. Now the Vatican, to move to the last case, is of course a very interesting case always. The Vatican has privileged links with the Council of Europe from the start. If we look into the origins of the Council of Europe, we already see that the Vatican had sent somebody to the Congress of The Hague in 1948. They were there in the cultural committee, and so they were involved in all the work in the Congress of The Hague, which actually led to the setting up the Council of Europe. And the Council of Europe's first step towards the Council of Europe was in 1954, when the Cultural Convention was adopted at the Council of Europe, to put forward a candidature to become member of that convention. That's possible because you can be a member of the convention without being a member of the Council of Europe. So the Vatican was not member of the Council of Europe, but in 1962 they became, after Spain and Switzerland, members. The Holy See becomes a member of the Cultural Convention. They also are a member of the Council of Europe Development Bank, set up in 1973. They later on join in the Venice Commission in 1990, and they are member of the North-South Development Center in Lisbon, which was set up in the late 1980s. They become a member in 1998. So they, which is for the North-South, which is for developing countries, help of the Council of Europe for development countries. And the Vatican, the best example to show you how the Vatican is infiltrated in the Council of Europe is that in 1970, the Committee of Ministers grants to the Vatican an observer status in the Committee of Ministers. This is something, it cannot be, of course, observer in the Assembly because there are no parliamentarians, but the Council of Europe ruling institution, decisive institution, the Committee of Ministers, admits the Vatican as an observer. This is the only state which has an observer status until the 1990s, when this observer status is introduced more generally. And just to quote you the other states in the Committee of Ministers, we have the United States, Canada, Japan, and Mexico. And the Vatican, and this until now they are represented in the Committee of Ministers. In the Parliamentary Assembly, we have other observer states, but this shows you how closely the Vatican has cooperated with the Council of Europe in its decision-making institution. And they are also associated to a number of expert committees who draft new conventions. They can be invited to participate in these conventions. To all the conventions opened up to the exterior countries, they can participate, and they do. And another very important example of the Council of the Vatican City's importance for the Council of Europe is more political. It's in fact when the end of the Cold War was approaching and there was the change of political climate in 1988, 1989. Very important, the Pope, Jean-Paul II, comes to the Council of Europe as one of the first personalities of political importance. He was invited to the Council of Europe to speak before the Assembly in order to announce East-West cooperation and the opening up of the Council of Europe to the Eastern and Central European side, before the fall of the Berlin Wall. So this is the geopolitical importance of the Pope for the Council of Europe. And today you will see in the media the Council of Europe, the only time that you talk about the Council of Europe, sometimes a ruling of the court, or when the Pope comes to Strasbourg, which has been the case for Francisco, has come to Strasbourg, then you have the media, and they come. This shows the important relationship of the... how much do I have left? The last, yeah, I have just to round up my last part, on because this is only to show you the link of the microstates. Is this a stepping stone towards European integration? If you look at the microstates and their relationship with the European Union, you will see that only Luxembourg and Malta have become members of the European Union. And so the relationship with the European Union is completely different. This is not part of my intervention. I won't go too much into detail. I would just like to show you that these microstates, despite not being part of the European Union, have all developed very close relationship with the European Union. But this relationship, apart from Malta, who has first joined the Council of Europe and then the European Union, has not passed via, because they have become members of the Council, they can apply for membership to the European Union. It's not at all this logic which is applied to the microstates. With regard to, they are participating in the Europe without borders. Liechtenstein and Iceland have ratified the Schengen Convention, which is now part of the European Union. You also have open borders, of course, of the Vatican City, also of, between Monaco and France. They also participate in the internal market. You have associations of Andorra and San Marino. They have customs unions agreements with the EU. Monaco is associated to the internal market via an agreement with France. And Liechtenstein and Iceland are associated via the European Economic Area, which is a treaty which concerns the EFTA states. Of course, there are only 4 of them, but it's still an agreement with the European Union. This is the EEA. And for the monetary union, we also have participation of the Andorra, San Marino, Monaco, and the Vatican. They are associated. They are allowed to issue coins. A certain number of euro coins. Liechtenstein and Iceland have their own currencies. So you can see that the European Union in some way or the other associates the microstates, and they have in fact no choice because their territory is right in the middle of the European Union, and they have so strong integrative policies that they have to, that they cannot escape the European Union in some way or other. But we do have 2 interesting cases with regard to the European Union. We have the application from Iceland. I come back to what I said before. 2009, Iceland officially applied, in fact, to the European Union. But what's interesting is that in 2013, because of internal political problems, the negotiations were unilaterally suspended by Iceland, and they've decided, in fact, to withdraw. This was not voted on politically in Iceland. There's no vote in it, so this is an open issue. But it shows that, in the end, Iceland not really wanted to join the European Union. Maybe they applied for economic reasons because there was the economic crisis. And so it's an interesting case because it shows the reluctance of microstates in the end to join the European Union. And the second interesting case is if you look at the Andorra, Monaco and San Marino, they have actually started negotiating with the European Union for an association agreement. So this is an alternative to membership. So I would like to conclude by saying that the microstates have not used the Council of Europe as a stepping stone towards the European Union. They have used the Council of Europe more as a platform to prove their ability as states, as sovereign states, to be involved in international relations and to act as European, as European actors in the European cooperation process. They have all been involved in the Council of Europe's work. Their work, of course, in the Council of Europe is limited by their, normally by their technical and possibilities that they have. In the Council of Europe, they are only small countries, but in some or other, for some conventions, we have had leading roles of microstates in the Council of Europe. I can't go into the detail, but I can show you that in some cases, for example, Andorra has proven as a mediator within the Council of Europe in order to facilitate the adoption of new or difficult conventions in the Council of Europe where the big states could not agree among themselves. So they have proven as capable and useful actors also for the larger states in the Council of Europe. With regard to the European Union, it has to be said that maybe the microstates prefer, in fact, the intergovernmental organization of the Council of Europe to the European Union, which is a much more supranational organization, and the supranational method of giving up sovereignty is maybe not in line with the microstates who've just gained their sovereignty, don't want to give it up again in a larger European organization. They prefer maybe to be associated differently to the European Union, not necessarily by membership. Thank you. Si hi ha algunes preguntes sobre aquesta conferència, és el moment. No? Passem a la següent, doncs. Bé, doncs, la següent conferència és el Sylvain Schirman. El Sylvain Schirman, doncs, és un catedràtic d'Història de les Relacions Internacionals a l'Institut d'Estudis Polítics a la Universitat d'Estrasburg. Va ser-ne director de 2006 a 2015, ho ha deixat fa molt poc temps. És membre del grup dels professors d'Història Contemporània a prop de la Comissió Europea. És també secretari general de l'Associació Internacional d'Història Contemporània de l'Europa i codirigeix la col·lecció Reptes Internacionals de l'editorial Peter Lang a Bruxelles. Les seves recerques se centren essencialment en les relacions franco-alemanes, a les relacions econòmiques i financeres internacionals i a la construcció europea. Us deixaré que us presento avui el Sylvain Schirman, el Luxemburg, un altre petit o microestat, una política exterior entre estimats veïns i construcció europea. A tu, Sylvain, a tu. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'Institut d'études catalanes pour l'invitation agréable qu'ils m'ont adressée pour venir parler de ce sujet consacré à la politique extérieure du Luxembourg. Remercier ma collègue Martine Camiade qui s'est chargée de transmettre cette invitation et dire le plaisir que j'ai de parler de cette politique extérieure du Grand-Duché de Luxembourg devant vous. Jean-Claude Juncker, que vous connaissez toutes et tous, et qui ne manque pas d'humour, a coutume de dire qu'il y a deux grandes entités politiques en Europe, la Grande-Bretagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Mais bientôt il sera seul, puisque la Grande-Bretagne va partir, et donc il n'y aura plus qu'un grand État en Europe, le Grand-Duché de Luxembourg. Cette boutade, quand on connaît un peu Jean-Claude Juncker, c'est comme on dit en français, du lard et du cochon, parce que le président de la Commission européenne ne manie pas comme ça son humour, j'allais dire gratuitement. Parce que quand même, quand on regarde ce pays, il fait à peine la moitié d'un département français. Il fait à peine la population d'un département moyen français. Je prends ces éléments de comparaison. Et lorsqu'on parle de politique extérieure de petits États à propos de ce demi-département français, on a un positionnement qui a de quoi étonner. Sa capitale, elle est d'abord le siège d'institutions européennes. Elle a comme siège la Cour européenne de justice, elle a comme siège le secrétariat du Parlement européen, dont le siège est à Luxembourg. Il y a statutairement 4 conseils des ministres de l'Union européenne qui doivent se tenir par an à Luxembourg. Il n'y en a aucun à Paris, par exemple, sauf quand la France exerce la présidence tournante de l'Union européenne. Et cette tradition, elle remonte à 1951, puisque la première institution communautaire des 6, la CECA, a eu son siège à Luxembourg. Et comme il y a eu en même temps la Cour de justice de la CECA à Luxembourg, on peut véritablement parler de première capitale européenne, nonobstant le Conseil de l'Europe qui, lui, est à Strasbourg. Donc il y a déjà là quelque chose qui intrigue. Mais on pourrait peut-être continuer. Le Grand-Duché de Luxembourg est le pays en Europe qui a fourni le plus de présidents de la Commission européenne. 3. Gaston Thorn, Jacques Santer et aujourd'hui Juncker. Vous pouvez comparer avec d'autres grands pays. La France en a fourni 2, j'allais dire 1,5, parce que le pauvre Xavier Hortoli est resté un demi-mandat à la présidence de la Commission européenne. Celui qui a duré, c'est Jacques Delors. Mais le Grand-Duché, 3. L'Allemagne n'en a fourni qu'un. Walter Hallstein. On a une autre grande puissance. Le Royaume-Uni n'en a fourni qu'un. Roy Jenkins. Et encore un demi-mandat. Hein ? Vous pouvez continuer. Le Portugal, 1. Mais après, les Pays-Bas, un demi-mandat. Sicco Mansholt, l'inénarrable Sicco Mansholt. Mais après, cherchez des pays comme l'Espagne, d'autres pays qui sont des puissances, aucun. Et là, vous avez ce pays qui fait à peine un demi-million d'habitants, 3 présidents de commission. Puis je pourrais continuer encore, juste pour voir. C'est quand même une des 5 places financières en Europe. Si je regarde l'importance des sommes brassées, et globalement, le Grand-Duché a réussi à conserver les avantages de cette place financière jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle. Donc, finalement, cette apparente réussite luxembourgeoise sur le plan international, elle interroge et elle mérite quand même quelques explications. Il faut essayer de la comprendre, de la décoder. C'est ce que je vais essayer de faire à travers cette intervention. Puis dans un deuxième temps, je verrai un peu les réflexions actuelles sur le positionnement international du Grand-Duché et les réflexions au Grand-Duché même sur leur positionnement et sur la réorientation de leur politique étrangère, parce qu'ils ont bien compris aujourd'hui que la place financière, elle ne durera pas. La fin n'est pas pour demain, je vous rassure, ou je ne vous rassure pas, ça dépend de votre chapelle, mais ils ont compris qu'il allait y avoir des évolutions autour de cette place financière et qu'il va falloir ménager l'avenir. Donc pour essayer d'abord d'expliquer un peu ce poids de ce micro-État, pour employer l'expression de ma collègue, et son importance dans le système européen, il faut peut-être d'abord partir du cadre luxembourgeois, parce que c'est un jeune État. Le Grand-Duché de Luxembourg comme État-nation a 150 ans d'existence. Il est né en 1867. Par un accord international, il n'y a pas eu de révolution nationale, pas de mouvement d'unité, pas de séparation. C'est un accord international dit Traité de Londres, qui est signé en 1867 entre la France, le Royaume de Prusse, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni, qui institue ce Grand-Duché de Luxembourg, et le statut qui lui est accordé en 1867 au moment de sa naissance, c'est un statut de neutralité. Et ces 5 États signataires garantissent à ce petit État qui vient de naître le statut d'un État neutre Et en fait, on installe, puisque les familles allemandes ont beaucoup de princes à caser à travers l'Europe, on installe à Saxe-Cobourg, à la tête du Grand-Duché de ce nouvel État, qui a en charge de veiller aux intérêts de ce pays. Et sa situation politique et géographique, elle est littéralement anxiogène, parce qu'il est cerné. Il est au milieu. La Prusse, 4 ans après, ce sera l'État allemand, la France, la Belgique, les Pays-Bas. Et chacun des voisins a eu des velléités d'annexion de ce grand duché de Luxembourg. Chacun. Les Pays-Bas avaient imaginé à un moment donné une union personnelle entre la maison d'Orange et la maison de Saxe-Cobourg pour faire ce qu'on arrive à faire très bien, c'est-à-dire une double monarchie. Le souverain des Pays-Bas est à la fois roi des Pays-Bas et en même temps grand-duc au Luxembourg, et puis on n'en parle plus de l'indépendance. Mais Napoléon III a lui aussi rêvé de mariage de princesses impériales avec la famille de Luxembourg pour l'absorber. Les Prussiens, puis les Allemands, pareil. Ne parlons pas des Belges. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que, comme vous connaissez la Belgique, il y a une province belge qui s'appelle le Luxembourg belge. Donc, pour eux, qu'est-ce que c'est que ce petit État voisin? Voilà. Vous avez une situation relativement anxiogène. Et donc, comme vous ne pouvez pas vous appuyer sur les instruments classiques d'une politique extérieure de puissance, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez déployer, avant la lettre, ce qu'on appelle une politique de soft power, c'est-à-dire une politique de l'influence pour maintenir votre sécurité. C'est quoi cette politique de l'influence qui construit progressivement une tradition diplomatique luxembourgeoise? Eh bien, il faut d'abord partir de ce que c'est que le Luxembourg État-nation. C'est d'abord un État multiculturel. Et j'y arrive. Voilà. Là où vous construisez des États-nations sur l'uniculture, vous avez un État-nation qui se construit sur la pluriculturalité. Dès 1867. Pourquoi? Parce que l'État-nation luxembourgeois, ou l'État national luxembourgeois, va d'abord emprunter des éléments à la France. La construction du système administratif luxembourgeois, la construction du système éducatif luxembourgeois, c'est de la copie conforme de la France. L'école luxembourgeoise ressemble à l'école française, système de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, du baccalauréat, des instituteurs, des écoles normales, je le copie. Le système administratif, je le dis très souvent, il n'y a pas État plus centralisé que le Luxembourg, c'est des Jacobins, puissance 10, c'est copié. Sur le système français. Voilà. Mais en même temps, vous êtes dans un élément culturel germanique, je ne dis pas allemand, mais germanique, vous êtes dans une zone francique culturellement, qui est complètement maintenue. Et donc, dès sa naissance, je vais vous prendre quelques exemples pour vous faire toucher ça du doigt, dès sa naissance, vous avez quasiment 3 langues obligatoires de formation qui sont en même temps des langues administratives. Le luxembourgeois qui est leur parler francique qu'on va, comme dans toutes les langues européennes, codifier avec une grammaire, un vocabulaire, un dictionnaire, passons là-dessus, mais en même temps le français et l'allemand. N'importe quel élève du primaire luxembourgeois dès 1870, quand ce système se met en place, reçoit un enseignement en 3 langues. Et ça n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que quand un jeune luxembourgeois va au lycée, il maîtrise 2 langues vivantes étrangères, mais qui sont en même temps des langues grand-ducales et qui sont en même temps des langues de l'administration. Donc vous voyez l'importance que ça a. Et donc finalement, il va apprendre ce qu'ils appellent des langues étrangères, c'est-à-dire une 3e langue vivante, quand il va entrer dans le système du lycée. Ça, c'est un élément fort du grand duché de Luxembourg. En plus, le pays choisit d'emblée, jusqu'à une époque très récente, de ne pas se doter d'universités. L'université de Luxembourg est créée par décret en 1999. Elle a ouvert ses portes en 2005, il y a 12 ans. Il n'y a jamais eu d'université au Grand-Duché de Luxembourg depuis la naissance de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose extrêmement simple. comme le disent les responsables luxembourgeois, ça oblige nos élites, après le baccalauréat qui se passe au Luxembourg, à quitter le Grand-Duché et aller se former ailleurs. Et oui, vous ne pouvez pas former de médecin, vous ne pouvez pas former d'avocat, vous ne pouvez pas former de cadre, de directeur de l'État. Au Luxembourg, jusqu'à une époque récente, il faut quitter. Il faut aller se former ailleurs. Vous voyez, quand je parle de politique étrangère, l'importance de l'ouverture aux autres. Où est cet ailleurs? Eh bien, vous pouvez travailler sur des statistiques, on l'a fait. Ça donne 3 pays de destination importante des élites luxembourgeoises. D'abord, les pays voisins. France, Allemagne, Belgique. Les universités allemandes, les universités françaises, les universités belges forment les élites luxembourgeoises. Mais en même temps aussi, immédiatement après, vous avez 2 autres pays qui apparaissent où l'élite s'est formée jusqu'à une époque récente. Le Royaume-Uni et les États-Unis. Voilà. Et donc, cette élite qui revient au pays, elle a baigné dans un système étranger tout au long de ses études supérieures. Parce que là est la chose intéressante. Ils reviennent au pays, ils ne restent pas. Puisqu'ils ont une possibilité de carrière extraordinaire dans les sommets de l'État ou dans les sommets des entreprises, quand ils reviennent au pays du fait du nombre relativement restreint de population. Mais l'ouverture que ça a procurée est à proprement parler extraordinaire. Vous voulez 2 exemples? Pierre Werner, que tout le monde connaît, futur Premier ministre luxembourgeois, l'homme du compromis d'ailleurs de Luxembourg, l'homme du système monétaire européen, l'homme de la relance de La Haye, voilà un de ces grands premiers ministres luxembourgeois. Regardez sa formation. Il quitte le Grand-Duché de Luxembourg à 18 ans, il va où? À Sciences Po Paris. Il va se former à Sciences Po Paris, il va, après une formation à Sciences Po Paris, 3 ans, sortir diplômé de Sciences Po Paris. Il a suivi les cours d'un dénommé Charles Gide, qui est un des grands experts financiers de l'époque. Et ensuite, vous allez le retrouver partant à Washington, Georgetown University, compléter sa formation financière, revenir au Grand-Duché et avoir comme premier poste de haut fonctionnaire luxembourgeois un poste de directeur au ministère des Finances qui va l'immédiatement envoyer à la conférence de Bretton Woods, celle qui va créer le dollar comme pivot du système. C'est des carrières extraordinaires, complètement à l'étranger pour les jeunes. Mais un autre dont on parle peu, parce que, alors que c'est une figure immense, Robert Schuman, nous le connaissons comme député, homme politique français, mais il est né à Luxembourg, Robert Schuman. Et à 18 ans, il a suivi le même système. Pourquoi il est si à l'aise avec les Allemands? Mais il parle parfaitement la langue. Il connaît parfaitement la culture et il a fait des études supérieures comme il n'y a pas d'université à Luxembourg, à Bonn, à Berlin et à Strasbourg. Paf, l'ouverture sur l'étranger, il est là. Donc, en fait, vous commencez par ça quand vous parlez luxembourgeois. Jean-Claude Juncker, dont j'ai parlé au début, je l'ai rappelé à certains, j'en ai fait un docteur honoris causa chez nous, puisque c'est un ancien de la faculté de droit et de l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Voilà, par exemple. Donc là, vous avez un raccourci des postes de premier plan des luxembourgeois. Université allemande, université française, université belge, université britannique, université américaine. Et ça, ça leur permet non seulement de l'acquisition de savoir-faire, mais aussi des réseaux, du benchmarking immédiat. Ils ont un système de comparaison et ils ramènent ça, quand ils rentrent dans la vie active, au Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, dans la vie internationale, eh bien, ce sont ces élites-là qui ont d'abord inauguré une politique d'alliance qui sert au mieux les intérêts nationaux parce qu'ils ont des réseaux partout. Avant la Première Guerre mondiale, je vous donne là aussi des exemples, le Luxembourg est membre du Zollverein, c'est-à-dire de l'Union douanière allemande, tout en entretenant les meilleures relations militaires et culturelles avec la France. Donc, sur d'autres plans que le plan économique, il a une diplomatie tout à fait active avec le voisin français. Je peux continuer, hein. Cette politique du balancier, on va essayer de la continuer après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, en fait, on essaye de rentrer dans un système d'alliance français tout en conservant des relations économiques intéressantes avec l'Allemagne. Mais cette politique du balancier, elle n'est pas sans risque, parce qu'à plusieurs reprises, ce pays a failli disparaître. La première fois, on l'oublie très souvent, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Tout ça, ça fonctionne comme des avertissements pour les élites luxembourgeoises. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Belges ont souhaité, dans la négociation du fameux traité de Versailles, que le Luxembourg disparaisse comme État et soit intégré dans le Luxembourg belge. Qui est-ce qui a sauvé le Grand-Duché de Luxembourg? Les Français, qui ne voulaient pas d'une absorption du Luxembourg par la Belgique et qui ont imposé l'union belgo-luxembourgeoise, c'est-à-dire une alliance économique et monétaire entre la Belgique et le Luxembourg. Il a failli disparaître en 1940, puisqu'il a été annexé par le Troisième Reich de fait. Le gouvernement est parti en exil. Donc tout ça, ce sont des piqûres de rappel des limites d'une politique pleine d'indépendance quand on a cette position géographique entre des puissants voisins. Et donc, dès l'entre-deux-guerres, vous avez une autre orientation qui se met en place sur ce multiculturalisme dont j'ai parlé, cette politique du balancier. Elle est l'œuvre d'un grand industriel luxembourgeois que peut-être vous connaissez. Il s'appelle Émile Mayrisch. Il est le patron d'une firme sidérurgique qui s'appelle l'Arbet, qui survit aujourd'hui dans ArcelorMittal. ArcelorMittal, vous connaissez, il y a une partie luxembourgeoise qui vient de l'Arbet dans le grand consortium ArcelorMittal. Mais ce patron de l'Arbet du Grand Trust sidérurgique, qu'est-ce qu'il a fait dans les années 20? Ça mérite d'être réfléchi. Il a dit, les Luxembourgeois, il faut qu'on travaille à la réconciliation franco-allemande. C'est notre seule issue. Et donc, il fonde en 1925, il faut que je le rapproche, merci. Il fonde en 1925 un centre d'information et de documentation franco-allemand avec cette idée que les élites françaises et allemandes doivent se rencontrer pour se parler parce que le choc franco-allemand est pour lui un choc culturel. Et le Luxembourg est le mieux placé pour organiser ce dialogue, puisque nous sommes des gens de double culture. Et c'est ainsi qu'à Colpar, qui est sa propriété, c'est un château, vous pouvez le visiter encore aujourd'hui à Luxembourg, il organise les rencontres dès 1925 entre des élites françaises et allemandes. Et si je vous donne quelques noms de gens qui se retrouvent à Colpar en 1925, vous allez être effarés, vous y trouvez Jean de Pange, l'un des partisans français de l'alliance franco-allemande, mais vous y trouvez aussi Vladimir d'Ormesson, le père de Jean, diplomate, éditorialiste au Figaro. C'est là qu'on les fait se rencontrer avec des Allemands. Quels Allemands? Un énorme auteur qui s'appelle Thomas Mann, le maire de Cologne qui s'appelle Konrad Adenauer, mais pas connu encore Konrad Adenauer, il est maire de Cologne à cette époque-là. C'est cet incubateur qui se fait dans la propriété des Mayrisch à Colpar, à côté de Luxembourg, où le magnat de l'industrie consacre sa fortune, ses revenus, son carnet d'adresses à ces rencontres, dont bénéficie bien évidemment, puisque c'est un pays de mono-industrie sidérurgique à l'époque, le gouvernement luxembourgeois en matière d'information, de politique étrangère, puisqu'on disait couramment à cette époque, ce qui est bon pour l'Arbet est bon pour le Grand-Duché. Mais il ne se contente pas de cela. Il va créer en 1926, parce que ça c'est son autre idée, un rapprochement entre sidérurgistes de l'espace rhénan, en fondant à Luxembourg, en septembre 1926, une entente internationale de l'acier. C'est la première. Qu'est-ce que c'est que cette entente? C'est un accord entre sidérurgistes allemands, luxembourgeois, français, belges, où ils créent une structure avec un bureau dont le siège est placé à Londres, hors des États. Intéressant quand même. Et où ces sidérurgistes, entre eux, fixent des prix, se répartissent les marchés, fixent les conditions de la production. C'est un cartel. Et si vous me permettez cette image, c'est une CECA privée. Voilà. Mayrisch. Ça ne vient pas comme ça du hasard, ces choses-là. Et ça n'atterrit pas par hasard à Luxembourg. Parce que vous êtes là, au milieu de la France et de l'Allemagne. Et donc, vous commencez par une politique de balancier et vous ajoutez dans les années 20 une politique qui cherche à réconcilier vos deux puissants voisins par et de l'initiative diplomatique et culturelle et de l'initiative économique. Ça, c'est une politique qui fait qu'en fait, les autorités grand-ducales se sont retrouvées très vite à l'aise dans du multilatéralisme. Ils n'ont pas mené une politique de puissance, ils vont rentrer dans ces organisations multilatérales. C'est la raison pour laquelle, si je reste encore sur l'entre-deux-guerres, ils vont soutenir des initiatives comme le plan Briand, premier projet d'unification européenne, qu'ils vont être des acteurs intéressants à la Société des Nations, première organisation internationale. Et donc, j'allais dire, finalement, commencer à réfléchir Europe. Ça ne s'appelle pas encore comme ça, mais commencer à réfléchir à sécurité sur le Rhin, rapprochement franco-allemand, multilatéralisme économique, et ça, ces élites le font dès les années 1920. Ça n'a pas empêché le Luxembourg d'être annexé en 1940, ça n'a pas empêché le Luxembourg de connaître les affres de la Seconde Guerre mondiale, mais simplement, quand le paradigme fondamental des relations internationales va changer en 1945, eh bien, ils sont prêts. Leur histoire les font être prêts. Parce que quels sont les paradigmes de l'après-1945 ? C'est une politique étrangère pour le Luxembourg à 4 niveaux. Benelux, il est créé pendant la Seconde Guerre mondiale, 1944, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Deuxième élément, la construction européenne. Troisième élément, l'Alliance atlantique. Quatrième élément, les organisations internationales. Et donc le Luxembourg va inscrire sa politique étrangère dans ces 4 niveaux. Au point de départ, avec le Benelux, on fait de la coopération économique. Il n'y a pas encore de structure européenne. Ensuite, dans les structures européennes, on est l'acteur central des interférences franco-allemandes. On s'inscrit pour la sécurité dans l'Alliance atlantique et bien évidemment, on est membre de toutes les organisations internationales. Ça vient d'être rappelé pour le Conseil de l'Europe, c'est l'Union européenne, c'est les Nations Unies, etc. Et ce multilatéralisme luxembourgeois, il permet pour le Grand-Duché, je vais me rapprocher du micro, je pense que c'est mieux, il permet pour le Grand-Duché un certain nombre d'éléments. D'abord, le multilatéralisme, lui, assure sa sécurité. Vous ne pouvez pas mener de politique de puissance, pas de politique de dissuasion nucléaire, pas de politique militaire. Comment vous assurez votre sécurité? Vous assurez votre sécurité à travers l'insertion dans un cadre multilatéral, à plusieurs niveaux. Et donc, à travers l'OTAN, dont le Luxembourg est membre, vous n'avez plus de problème. À travers la construction européenne, vous arrivez à cette réconciliation franco-allemande à laquelle vous œuvrez depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, en fait, l'Europe communautaire est aussi un élément de la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg. Vous n'êtes plus l'enjeu de rivalité de voisins. Mais vous obtenez aussi autre chose à travers cette diplomatie multilatérale. Vous renforcez votre propre puissance et votre influence. Parce que le Luxembourg, je vais prendre là chaque fois des exemples de cas. Le Luxembourg, s'est joué de la rivalité entre les puissants partenaires. Pourquoi il y a une CECA et les premières institutions communautaires au Luxembourg? Je ne vais pas insister longuement. Il y a eu une bataille des sièges dès le traité de CECA signé. Cette bataille des sièges a opposé qui? 4 États. L'Allemagne, la France, la Belgique et l'Italie. Luxembourg n'était pas candidat. Mais dès que la France avançait une candidature, l'Allemagne disait non. Dès que l'Allemagne avançait une candidature, la France disait non. Dès que l'Italie proposait Turin, les autres disaient non. Et dès que les Belges sont arrivés avec Liège, on disait non. Et à ce moment-là, Joseph Bech, qui était le premier ministre luxembourgeois, leur a dit bah, « Écoutez, provisoirement, on peut s'installer chez moi. » Et c'est le provisoire qui dure. donc les grandes puissances ne se sont pas humiliées. Mais dans leur rivalité personnelle, elles sont humiliées quand elles n'ont pas le siège. Donc le Luxembourg sait, sachez-le, admirablement jouer de la rivalité des grands dans la construction communautaire. Voilà un exemple. Il sait s'appuyer, deuxième exemple, sur le Benelux. C'est un magnifique outil pour lui, le voisinage avec la Belgique et les Pays-Bas, pour amener des projets, parce qu'il sait que seuls ces projets ont du mal à être entendus, mais en revanche, quand les mémorandums européens sont déposés au nom du Benelux, il est dedans, et donc ils sont entendus. Et vous avez comme ça le mémorandum de relance qui conduit à la relance de Messine et à la négociation du traité de Rome, qui est un mémorandum du Benelux. Donc il est là, avec les autres, à la manœuvre. Le Luxembourg, il sait magistralement, en utilisant cela, jouer les bons offices des crises européennes. Comment on a réglé la crise de la chaise vide? Vous savez, quand le général de Gaulle a refusé en 1965 de siéger à la table des négociations européennes, comment on a réglé ça? En demandant au Premier ministre luxembourgeois, Pierre Werner, de faire le tour des capitales. Et pendant 6 mois, un monsieur a pris l'avion très souvent et a fait le tour des capitales pour trouver la solution de compromis, qui est le fameux compromis dit de Luxembourg, qui est encore à l'œuvre aujourd'hui dans les institutions européennes. Ce sont des responsables politiques luxembourgeois qu'on charge souvent de mettre en place les plans, toujours le fameux plan Werner. Vous avez aujourd'hui un plan Juncker sur les investissements européens. Donc, voilà, vous avez là un instrument de puissance et d'influence. Ce multilatéralisme, c'est aussi, troisième élément, qu'est-ce que le Luxembourg en retire? Un aspect de la puissance économique. L'un des fondements de la puissance économique luxembourgeoise, c'est l'inscription dans le multilatéralisme. La CECA, ils l'ont obtenue comme ça. Et donc, l'organisation qui gère l'acier, qui est la mono-industrie, et donc qui va gérer toute la traversée de la crise de la sidérurgie, cette CECA, elle est à Luxembourg. Mais elle a fondamentalement accès, quand elle veut, cette CECA, à l'Arbet, qui est le grand trust. Vous avez besoin de faire des études, mais vous avez le trust à côté. Donc, la construction européenne, le multilatéralisme, permet la puissance économique. Et en fait, la sidérurgie luxembourgeoise a eu ses problèmes réglés, parce que ce pays a, à l'exception de quelques veines de fer, aucune des matières premières nécessaires à la sidérurgie sur son sol. Mais avec la CECA, elle a accès à toutes les matières premières des autres. L'Arbet est un trust qui a survécu jusqu'à ArcelorMittal. Et en même temps, elle a pu faire accompagner, parce que c'est ça aussi un petit pays, elle a su faire accompagner toute sa crise de la sidérurgie par les instances communautaires, comme les autres pays. Et donc, se transformer progressivement en place financière. Je vais aller plus loin. Le multilatéralisme fait du Luxembourg une terre d'expérimentation. Là aussi, m'appuie, c'est autour du Grand-Duché de Luxembourg que se sont multipliées, diversifiées toutes les expériences de coopération transfrontalière. Le thème cher à ma collègue qui l'explore et le travaille depuis longtemps. Écoutez, avec le Luxembourg, vous avez quelque chose d'extraordinaire dans la coopération transfrontalière. Vous avez un État entier et donc vous pouvez travailler sur tous les cas juridiques. C'est un État entier qui rentre dans le dialogue avec la Lorraine voisine, avec la Rhénanie-Palatinat voisine, avec la Sarre voisine. Donc, c'est de l'expérimentation permanente que vous pouvez mettre avec la Belgique voisine, avec la région wallonne, avec la province du Luxembourg, etc., etc. C'est à chaque fois un État, une entité régionale. Et donc, vous avez des possibilités d'expérimentation qui peuvent intéresser tous les États qui veulent se lancer dans la coopération transfrontalière. Parce que vous avez plusieurs type possible autour du Luxembourg. Vous avez une coopération transfrontalière possible avec un titre d'État centralisé, quand ça commence la France. Vous avez une coopération transfrontalière possible avec un État décentralisé, quand je vais vers l'Allemagne. Vous avez un type de coopération possible entre un État et une communauté linguistique, quand je vais avec la communauté wallonne, pas la région, la communauté wallonne. Tout est possible. Donc c'est une terre d'expérimentation, magistrale pour les autres. Et vous savez, par exemple, au niveau de la coopération belgo-luxembourgo-lorraine, on a créé un conseil économique social transfrontalier, le premier dans l'histoire de la coopération transfrontalière. Vous avez un État dedans, c'est lequel? C'est le Luxembourg. Regardez tout ce que cela permet. Et donc c'est une terre d'expérimentation, c'est aussi une terre où on peut expérimenter ce qu'on appelle l'Europe au quotidien. Vous savez, la ville de Luxembourg, c'est 70 000 habitants. Le week-end, c'est 500 000 chaque jour de la semaine. Ce sont des migrations de travail, de gens des régions immédiatement périphériques. Donc vous expérimentez de l'Europe au quotidien. Qu'est-ce que ça suppose? Qu'est-ce que ça nécessite en termes de transport commun entre la Lorraine, le Sarrebruck, le Luxembourg, etc. Donc vous êtes là. Enfin, le Benelux, c'est le dernier élément. C'est une structure qui permet de démultiplier la représentation diplomatique. Je vais donner quelques chiffres. Vous savez, le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg, c'est classiquement une centaine de personnes. Classiquement une centaine de personnes. Vous voyez ça, le ministère des Affaires étrangères? 100 personnes. Si vous enlevez là les secrétaires, petites mains, etc., quels sont les diplomates actifs? Ben, c'est un pays qui n'a que 27 représentations diplomatiques, voilà, permanentes. Vous enlevez les obligatoires, c'est-à-dire il faut quelqu'un auprès de l'Union européenne, quelqu'un auprès du Conseil de l'Europe, quelqu'un auprès des Nations Unies, quelqu'un dans les grands États, et le reste, ça se passe comment? Ben, le reste, vous utilisez l'ambassadeur néerlandais, l'ambassadeur belge, c'est-à-dire de cette structure du Benelux, pour représenter vos intérêts ailleurs, et donc vous êtes malgré tout présent sur la scène internationale. Et donc, tout ça a été valable, ce que je vous raconte là, jusqu'à la fin de la guerre froide. 1989-90, ça change. Parce que, en fait, le Luxembourg va commencer à ce moment-là, parce que la guerre froide, elle est structurante du point de vue des relations internationales, et notamment du point de vue européen. Mais quand elle disparaît, eh bien, vous commencez à monter les premières accusations d'un certain nombre de pays limitrophes du Luxembourg qui mettent le doigt sur la place financière, qui mettent le doigt sur le non-respect en matière de fiscalité sur le capital par rapport aux normes des États voisins. Et Madame Édith Cresson, que tout le monde connaît encore, avait eu cette phrase limpide en 1998 comme commissaire européenne. Elle avait dit « Le moment est venu, il faut fermer le Luxembourg ». Mais elle n'est pas la seule. Pour les Français, souvenez-vous des sorties de Sarkozy en 2007 contre le Grand-Duché de Luxembourg et cette place financière. Et puis après, il y a eu un certain nombre de scandales à répétition, affaire Clearstream et d'autres, qui ont montré un peu ce qui pouvait aussi se passer derrière cette place financière. Et donc, qui jette le doute sur cette image lisse de pays médiateur du Grand-Duché de Luxembourg. Donc, classiquement, les responsables luxembourgeois ont répondu comme on répond dans ces cas-là, c'est-à-dire on fait l'union sacrée, on récuse ces accusations, on dit « mais vous allez quand même pas nous tuer le pilier de l'économie nationale, le secteur bancaire et financier », mais en même temps, ils ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs, parce qu'il y a cette ouverture internationale traditionnelle. Et donc, dès, j'allais dire, les années 90, on se dit on est à la merci des évolutions des relations internationales en la matière. On est à la merci, c'est-à-dire qu'en fait, des contraintes nouvelles vont venir, vous les voyez, paradis fiscaux dénoncés, même si c'est qu'un début, même si c'est pas insuffisant, vous vous projetez, vous vous dites voilà, on ne pourra pas continuer comme avant. Et donc, compte tenu de ces nouvelles contraintes, vous avez toute une réflexion au Grand-Duché depuis une vingtaine d'années sur comment se positionner compte tenu de cette contrainte qui fait que la place financière va être dénoncée, attaquée et qu'il y aura des évolutions en la matière. Lentes, mais il faut bouger. Et donc, en fait, les luxembourgeois réfléchissent actuellement sur trois axes, mais qui s'inscrivent toujours dans cette continuité dont j'ai parlé. Comment, premier axe, le Luxembourg a une pratique quotidienne des relations intercommunautaires et transfrontalières. Et les relations intercommunautaires et transfrontalières se prêtent à merveille à une diplomatie dite de la médiation. Vous la gérez quotidiennement, la médiation. Et donc, médiation, c'est quoi? Eh bien, c'est une médiation d'abord dans la vie de l'Europe communautaire. L'État national luxembourgeois, que l'Europe devienne une entité politique fédérale ou une nébuleuse confédération d'États-nations, on ne sait pas ce que ça va devenir, on est là-dedans. Hein. En fait, les États européens, que ce soit dans le cadre d'une structure intergouvernementale ou d'une structure fédérale, les États-nations devront se plier à certaines décisions contraignantes de nature supranationale. Et donc, eux, on dit qu'on devra se plier tôt ou tard à une contrainte sur le plan financier, dans cette structure-là. Parce que les opinions publiques des grands pays, France, Allemagne, Italie, montent contre ces paradis fiscaux. Donc, on devra fatalement se plier à quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut nous faire les champions de l'entité politique unifiée en Europe. C'est-à-dire, il faut chercher à être les médiateurs. Nous avons moins de difficultés à abandonner des prérogatives de souveraineté nationale que les grands pays. Donc, on va essayer d'être le médiateur vers une Europe plus fédérale. C'est le pari de Juncker, c'est le pari avant lui de Santer. Ce sont ces paris-là. Et donc, en fait, amener les grands États à accepter des exigences supranationales, c'est-à-dire à ne pas être les seuls à offrir, avec le secteur financier, des éléments de perte de souveraineté. Et donc, voilà, pour eux, c'est un moyen de contrecarrer la vulnérabilité du Grand-Duché. Et vous pouvez regarder du projet constitutionnel européen au traité de Lisbonne, en passant par l'accord de Dublin sur les réfugiés, le Luxembourg est toujours là dans la fédéralisation de l'Europe, même plus que l'Allemagne. Ça, vous pouvez le voir très facilement. Deuxième axe, qui a commencé quelque part dans les années 98-99, mettre le paquet sur l'engagement international humanitaire. C'est-à-dire devenir une Norvège ou une Suède de l'espace rhénan. Et donc, depuis 1998, eh bien, le Luxembourg consacre toujours plus de 1% de son produit intérieur brut à l'aide au développement. C'est actuellement 1,2% de l'aide au développement, comparé avec la France. La France, c'est 0,6, pas tout à fait. Comparé avec l'Allemagne, c'est un peu plus de 0,6. Et vous voyez l'effort fait par le Luxembourg en matière d'implication de son PIB est double par rapport à son environnement européen immédiat et le rapproche. Il est pratiquement au même niveau que la Suède, qui est le premier donateur en ce moment, un peu légèrement devant que la Norvège. Avec cette idée, nous sommes un petit pays porteur de valeurs humaines et de solidarité. Et donc, on le fait et on le fait savoir. Et donc, en fait, il faut aussi, si on veut se positionner là-dessus, c'est-à-dire c'est corriger cette image du pays des riches, du pays de la banque. Si on veut se positionner là-dessus, il faut aussi l'accompagner d'engagements humanitaires, ONG, etc., etc. Je reviendrai là-dessus. Et donc cette volonté de se réinscrire là-dedans, elle a mis en valeur certaines carences luxembourgeoises. Le pays a des potentialités réduites pour faire ça. Par exemple, en matière d'ONG, est-ce que vous connaissez des ONG luxembourgeoises? La Croix-Rouge, c'est tout, luxembourgeoise. Le reste, les jeunes luxembourgeois se sont engagés dans des ONG françaises, belges ou allemandes. Donc, sont noyés. Donc, si vous voulez une autre diplomatie, il faut des ressources. Il il faut des ressources humaines, c'est là que vous vous heurtez à la démographie. Il faut de la formation professionnelle, 100 personnes au ministère des Affaires étrangères. Il faut réorganiser les logistiques, et c'est là que le bât blesse, en ce moment, au Grand-Duché de Luxembourg, c'est-à-dire leur potentialité matérielle, intellectuelle, la captation de l'engagement des jeunes luxembourgeois qui se projetteraient dans des actions humanitaires, celle-là, elle est limitée. Et donc, c'est l'adaptation d'un appareil diplomatique qui était très léger dans le contexte précédent, qui est à l'ordre du jour, et voilà. Et c'est là qu'il faut repenser les représentations permanentes, les ambassadeurs, le personnel fixe, les axes de la politique étrangère, parce que pour le reste, ce sera le mot de la fin, et je suis bien évidemment heureux d'avoir vos questions. La diplomatie de cet État sera toujours marquée du sceau du multilatéralisme. Le tout est de savoir où on va exprimer ce multilatéralisme. Quand je dis « sera toujours marqué du sceau du multilatéralisme », le Luxembourg sera toujours inscrit dans son environnement régional Benelux, sera toujours inscrit dans son environnement franco-allemand, sera toujours dans l'Alliance Atlantique. D'ailleurs, si vous voulez une anecdote, parce que les gens l'oublient très souvent, le pays qui militairement a fait le plus grand effort dans la première guerre du Golfe, c'est le Grand-Duché de Luxembourg. 20 cadres militaires, c'est-à-dire 10% de l'armée luxembourgeoise. Aucune des armées nationales n'a envoyé 10% de ces cadres à Bagdad lors de la première guerre du Golfe. C'est ça la solidarité atlantique à laquelle ils participent également. Donc on sera toujours là-dedans. C'est simplement le contenu pour garantir la sécurité, l'influence, la puissance qui va changer, et on est en train d'amorcer la transition. Elle n'est pas immédiate, elle sera sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Comment sortir de cette image négative pour se positionner de nouveau positivement et utiliser toutes les ressources de la diplomatie multilatérale pour l'influence, la sécurité, le poids politique de ce micro-État. Et c'est là qu'il y a le changement au niveau du Luxembourg. Et c'est pour ça que c'était essentiel pour eux d'arriver à placer Jean-Claude Juncker. N'oubliez jamais ce qu'il a dit quand il a pris ses fonctions. Où je réussis, où il n'y a plus d'Europe. Souvenez-vous de ce discours inaugural de Jean-Claude Juncker. Qu'est-ce que ça veut dire où je réussis, où il n'y a plus d'Europe? D'abord, il y aura de l'Europe, mais pour lui, l'Europe, c'est quoi? C'est celle qui fédéralise. Celle qui permet la médiation, qui est essentielle aussi aux pays. Donc vous voyez très bien, quand je suis la longue durée, que les intérêts nationaux sont éminemment présents aussi dans ces petits États, et notamment dans l'État luxembourgeois, qui arrive à préserver magnifiquement 150 années pratiquement d'indépendance, puisqu'il a 150 ans d'âge au moment où je vous parle. Merci pour votre attention, et puis à votre disposition. Molt bé, Sylvain, moltes gràcies. Continuem amb el Pierre-Alexis Blevin. És un jove advocat que és doctor. Tens una pregunta a fer? Perdó. Joan Becat té una pregunta a fer al Sylvain Schirman. Je vous la fais directement en français. Ça me mangerait parce qu'en catalan, oui. Je suis un peu démuni. C'est pour cela. Vous dire que Jean-Claude Juncker, actuellement, n'est pas très en odeur de sainteté en Catalogne. Jean-Claude Juncker, actuellement, n'est pas très en odeur de sainteté en Catalogne, puisqu'il a pris des positions non neutres, alors qu'il aurait dû au moins être neutre, disons, mais il a des prises de position vraiment choquantes pour un Européen. Il a été docteur honoris causa d'une université espagnole, prix prince d'Asturie, tout ça en 2 mois. Voilà, il se contente d'un faible salaire. Ma réflexion n'est pas là-dessus. Ça, c'est une épine parce que... Mais je répondrai aussi. Ce qui m'a étonné beaucoup, parce que les Luxembourgeois antérieurs étaient en général des gens qui ne mettaient pas de l'huile sur le feu, qui étaient... qui était plutôt, dans toutes les crises, quelles qu'elles soient, et il y a eu les Balkans, il y en a eu d'autres, qui étaient des gens plutôt d'apaisement. Ces déclarations, c'est du boutefeu. C'est-à-dire qu'ils pourraient très bien dire la même chose d'une manière beaucoup plus neutre, disons. Je referme la parenthèse. Un détail, c'est que tous les micro-États et les petits États ont une dette vis-à-vis du Luxembourg, puisque le Luxembourg était, parmi la cinquantaine d'États, 51, fondateur des Nations Unies. Et c'était un micro-État, c'était un petit État. Les autres, il y en avait des petits aussi, mais plus grands par la taille ou par le nombre d'habitants. Hein. Un État de l'Amérique centrale, l'Islande. Et donc, comme il était seul, je suppose qu'on l'a mis dans le paquet. Ainsi, il n'y a pas eu. Et c'est lui, en fait, qui a permis, après, l'entrée d'autres micro-États, puisqu'ils avaient le siège et la voix. Et donc, il y a une dette de l'ensemble des micro-États vis-à-vis du Luxembourg qui, en cela, leur a ouvert la porte. Bon, je peux peut-être donner deux, trois éléments. La première des choses sur la fin, aux Nations Unies. Regardez l'exil luxembourgeois, 1940, l'annexion, mai. Il y a un partage des rôles extraordinaire. Le gouvernement luxembourgeois en exil se fixe à Londres. C'est-à-dire Joseph Bech, l'un des pères de l'Europe, comme on l'appelle, part avec le gouvernement à Londres et installe le gouvernement en exil. La grande-duchesse, c'est-à-dire le chef d'État, si vous voulez, c'est une femme, la grande-duchesse Charlotte, elle part aux États-Unis. Okay ? Donc tous les œufs ne sont pas dans le même panier. Et elle se fixe aux États-Unis à un moment donné où les États-Unis ne sont pas encore en guerre. Et donc, que fait une souveraine aux États-Unis quand les États-Unis ne sont pas encore en guerre? Elle fait du lobbying, pour employer une expression moderne. Elle fait du lobbying pour quoi, d'abord? Pour l'entrée en guerre des États-Unis. Parce que le gouvernement qui est en Londres, il a l'oreille de Winston Churchill, qui souhaite quand même l'entrée en guerre rapide des États-Unis, ce qu'il obtiendra. Et à partir du moment où les États-Unis sont en guerre, elle, auprès de Roosevelt, elle fait du lobbying. Pourquoi? Pour que le Luxembourg retrouve toutes ses prérogatives d'État souverain en 1945. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, à Washington, on sait ce qu'est le Luxembourg. Aussi simple que ça. Et donc, quand dans l'administration Roosevelt, on imagine l'après-Seconde Guerre mondiale, le Luxembourg est un objet politique identifié, si je peux me permettre cette expression, comme il est identifié auprès de Winston Churchill et des Britanniques, puisque le gouvernement luxembourgeois est là-bas en exil et coopère avec d'autres gouvernements en exil. Et donc, pour les Américains, il est tout à fait normal que le Luxembourg, non seulement fasse partie de la première organisation des Nations Unies, parce que c'est une nation résistante, entre guillemets. D'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la politique d'annexion du Grand-Duché de Luxembourg. Hein, comparé avec la France, vous seriez surpris, parce que les Luxembourgeois ont, par référendum, refusé la nationalité allemande en 1943. Voilà. Et on a créé un camp de concentration spécial pour les Luxembourgeois au nord, la près de Trèves, Hinsert. Je ferme ma parenthèse. Donc, il était tout à fait normal qu'il fasse partie de cela, et il était tout à fait normal qu'il fasse partie de l'OTAN, alors que ce n'est pas un poids. Et souvenez-vous de la première union occidentale, le traité militaire entre l'Angleterre, la France et les États du Benelux, le Luxembourg est dedans. C'est-à-dire, là où la Seconde Guerre mondiale va introduire une modification majeure, le traité de Londres qui instaure la neutralité, c'est fini. Après 1945, il rentre dans les alliances militaires. Et il le prépare déjà dès la Seconde Guerre mondiale. Après, Juncker. Quand il s'exprime aujourd'hui, il faut quand même rappeler deux choses. Il ne s'exprime plus comme chef du gouvernement luxembourgeois. Il est président de la Commission. Bon, et vous avez raison de le rappeler à son devoir de réserve. Parce que la Commission européenne n'est pas encore l'exécutif européen. C'est une institution qui, en principe, doit veiller au maintien de l'intérêt général. Et le vrai exécutif européen, c'est encore le Conseil qu'il a. Donc, passons là-dessus. Il faut se souvenir quand même que Juncker a été battu au Grand-Duché de Luxembourg électoralement il y a 3 ans maintenant. Et que donc la voix du gouvernement luxembourgeois, c'est Xavier Bettel qui l'exprime, c'est-à-dire le libéral, hein, puisque le gouvernement luxembourgeois aujourd'hui, c'est une coalition libérale-socialiste. Juncker, c'était les démocrates chrétiens. Ils ont été balayés. Or, Xavier Bettel, en matière de politique étrangère, pardon, il demande le dialogue au nom de l'État luxembourgeois, et il a d'autres positions que Juncker, c'est-à-dire cette veine-là que j'ai décrite, l'humanitaire, la médiation, c'est une veine que le Parti libéral réclame au Luxembourg depuis une vingtaine d'années. Simplement, vous avez, comme c'est souvent le cas dans ces États, une double chose. La ville de Luxembourg, Luxembourg-Ville, okay, n'a jamais été chrétienne-démocrate. Le poids du parti chrétien-démocrate ou de la droite luxembourgeoise, c'est la campagne qui le donne. La ville a été libérale, Thorn, son épouse, aussi maire de Luxembourg. Bettel, l'actuel Premier ministre, est un ancien maire de Luxembourg. La ville a basculé très souvent entre les libéraux et les socialistes, avec une prédominance des libéraux dans la ville de Luxembourg. Et donc, dans sa ville de Luxembourg, quand il était bourgmestre, donc maire, si vous voulez, de cette ville, Xavier Bettel, l'actuel Premier ministre, a mis en place toutes ces actions sociales de médiation humanitaire avec les jeunes de la ville capitale. Hein, et donc il essaye maintenant d'amplifier dans le cadre actuel. Donc moi, Juncker, si vous voulez, indépendamment de Juncker, il y a un des problèmes de l'Europe, puisqu'on a aussi parlé de l'Europe, depuis Jacques Delors, on n'a eu que des chefs de gouvernement à la tête de la Commission. Ça aussi, ça nous plombe. Hein ? Après Jacques Delors, vous avez eu Santer, il était chef de gouvernement. Vous avez eu Romano Prodi, il était chef de gouvernement. Vous avez eu Barroso, il était chef de gouvernement. Et maintenant, vous avez Juncker, il est chef de gouvernement. Delors était le dernier président de la Commission à n'avoir jamais exercé de responsabilité gouvernementale. Et compte tenu de ce qu'il a fait, on voit très bien qu'il y a là une alliance des États qui ne veulent, comme président de la Commission, qu'un des leurs. Jointe au président du Conseil, hein, celui qui exerce la présidence du Conseil, qui a été, ou qui ont, eux aussi n'étaient que des chefs de gouvernement. Donc vous avez cette idée Conseil, Commission, présidence du Conseil, ce sont tous des chefs de gouvernement sociologiquement. Vous ne croyez pas que ça a une incidence, ça, dans le fonctionnement des éléments? Que quelqu'un qui arrive là-dedans en n'étant pas chef de gouvernement veut les coudées beaucoup plus franches. Je n'étais pas lié à des appareils étatiques. Ils ont eu parfois des fonctions de ministre, mais pas toujours des fonctions de ministre. Là, il y a des choses aussi à creuser en matière d'éléments. C'est-à-dire que ceux qui s'expriment sur la question catalane, pour l'employer ainsi, ce sont des chefs de gouvernement quand ils s'expriment de Bruxelles. Et donc, voilà des éléments. Mais on aurait bien aimé, sur cette question, à moins que je l'ai loupé, tu l'as peut-être vu, toi, avoir des réflexions d'un président du Parlement européen. Parce que l'Union européenne, oui. Mais vous avez raison, mais le Parlement européen a des marges de manœuvre et il a déjà pris ses libertés par le passé, sans que les traités, parce que l'intérêt de cette assemblée qu'est le Parlement, c'est de pouvoir de temps en temps donner des coups de pied dans la fourmilière, si vous me permettez. Ils ne se sont pas gênés à plusieurs reprises dans l'histoire du Parlement européen de prendre des initiatives que les traités ne leur accordaient pas. Mais pas contre les États, je suis d'accord. Hmm. Mmh. Très bien. Donc, pour le Luxembourg, pour revenir à cette histoire du Luxembourg, M. Bettel, il est le continuateur du multiculturalisme et du multilatéralisme luxembourgeois, lui. Merci Sylvain i gràcies Becat per les preguntes. Doncs acabarem aquestes conferències per la conferència de Pierre-Alexis Blevin, que és advocat, que ha llançat una tesi en 2015 sobre els microestats europeus, estudis històrics, jurídics i fiscal, Andorra, Liechtenstein, Mònaco, San Marino i el Vaticà, i avui ens parlarà de les relacions internacionals de la República de Malta i del Principat de Mònaco. A tu, Pierre-Alexis. Avant toute chose, je voudrais remercier l'Institut d'études catalanes et puis je voudrais remercier aussi Martine Camiade, le professeur, pour son invitation. Oui. Il n'existe pas de véritable définition de micro-État. Et dans mes études sur le sujet, j'ai bien fait la distinction entre ce qu'on appelle un petit État et ce qu'on appelle un micro-État. Pour moi, un micro-État, c'est un État microscopique. Voilà. L'échelle de grandeur va varier en fonction de l'objet d'étude et par conséquent, suivant le continent, le type de micro-État peut changer. Voilà. Mais un micro-État est avant tout un État, à savoir il a une population, il a un territoire et il y a l'exercice du pouvoir sur ce territoire et sur cette population. Pour revenir à notre sujet à proprement parler, sur les relations internationales et diplomatiques de la République de Malte et de la Principauté de Monaco, je souhaiterais vous dire que leurs relations sont indéniablement liées à leur souhait d'assurer leur souveraineté et leur reconnaissance internationale. Les micro-États européens peuvent être classés en deux familles distinctes. D'une part, les micro-États historiques, issus du vieux continent, reliquats d'une époque médiévale révolue, qui se sont battus pour survivre et exister, comme le Liechtenstein, comme Monaco, comme Saint-Marin, comme Andorre, et puis ceux qui sont issus de la deuxième génération de micro-États, qui sont des micro-États issus de la décolonisation, et on va retrouver la République de Malte, ou les micro-États notamment du Pacifique. De cela, il ressort que la Principauté de Monaco et la République de Malte sont deux micro-États diamétralement opposés. L'un est issu de la première génération et l'autre de la seconde. Toutefois, par leur histoire, par leur régime politique, par leur situation géographique, ces deux États ont signé des accords internationaux comparables, mais très différents. Leurs relations internationales et diplomatiques sont liées à leur histoire et à leur impérieuse nécessité d'assurer l'exercice de leur souveraineté, voire d'atténuer leur isolement géographique. Pour autant, bien qu'appartenant à deux générations différentes de micro-États, ces deux États ont souhaité assurer leur reconnaissance internationale au moyen d'accords internationaux. Et par conséquent, en deux parties, je vous expliquerai d'une part comment, par les accords internationaux qu'ils ont passés, ces micro-États ont assuré leur souveraineté interne, et d'autre part, comment, par ces accords internationaux, ces deux micro-États ont fait en sorte d'avoir une reconnaissance internationale. Et avant tout, pour étudier leur souveraineté et les relations qu'ils ont avec d'autres États, je vais un peu vous parler de leur histoire et vous allez vite comprendre comment, de par leur histoire, ils ont tissé ces traités et ces relations internationales. La République de Malte est le plus petit État de l'Union européenne. La superficie de l'archipel maltais s'étend sur à peine 316 km², avec une population qui s'élève à 440 000 habitants. Malte est un État indépendant depuis le 21 septembre 1964. Et pourtant, dès son indépendance, l'île de Malte intègre le Commonwealth, avec à sa tête la reine Élisabeth II. Malte est à la croisée des chemins de différentes cultures. Dès son origine, Malte est convoitée par toute puissance qui souhaite contrôler la Méditerranée. En l'an 60, Saint Paul fait un court séjour à Malte et convertit les populations locales au christianisme. Cette situation dure jusqu'en 870, date à laquelle les invasions arabes contrôlent l'archipel avec tout le sud de l'Europe. Il faudra attendre le déclin de l'Empire ottoman afin que profite le comte normand Roger qui, maître de la Sicile, s'empare de l'île en 1190 et permet l'ère chrétienne de connaître une situation propice à 400 ans de croisade. Au XIIe siècle, faute de denrées suffisantes, l'île est rattachée à la Sicile. Cependant, à la fin du XVe siècle, l'Empire turc devient une menace avérée en Méditerranée. S'emparant de Constantinople en 1453, puis des Balkans et de l'Égypte, celui-ci atteint les côtes maltaises avec 11 galères en 1488 et entreprend un blocus de 5 mois de La Valette et effectue bien sûr de nombreux pillages. Face à ça, Charles Quint va prendre un certain nombre de mesures coercitives et il va être guidé en cela par le grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui va devenir l'ordre de Malte. Cet ordre est fondé en 1050, issu de la construction d'une hôtellerie et d'un hospice à Jérusalem. Il devient progressivement un ordre militaire à vocation hospitalière. L'ordre de Malte dont je vous parle, c'est l'ordre de Malte historique. Ce n'est pas celui dont on parle aujourd'hui, qui est une fondation. À la chute de Rhodes, en 1522, le grand maître de l'ordre hospitalier, Villiers de l'Isle Saddam, propose donc à Charles Quint que celui-ci lui cède l'île de Malte. Cette cession va avoir lieu avec l'accord du pape Clément VII, le 22 juin 1530. Progressivement, du XVIIe au XVIIIe siècle, les galères de l'ordre vont diminuer en nombre, alors que les armées espagnoles et françaises croissent. Le rôle de l'ordre change, progressivement coursier. Il passe des batailles menées aux côtés des grandes puissances continentales à celui de coursier arrêtant les bateaux ennemis qui dévalisent les cargaisons en mer Méditerranée. Fortifié de toutes parts, Malte joue un rôle important dans le commerce entre l'Orient et l'Occident, régulant le passage saisissant les navires ennemis et les marchandises interdites. Le royaume de France influence l'ordre de par sa législation, de par son financement majoritaire, et favorise le commerce du royaume de France en Méditerranée et fait de Malte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle une sorte de protectorat français. Les 2/3 des chevaliers de l'ordre de Malte étaient français. Mais tout va changer à partir du XVIIe siècle, car l'ordre de Malte va commencer à avoir de véritables critiques. Et à la Révolution française, l'ordre est tellement critiqué qu'il est même question de lui donner une représentation au sein des États généraux, pour savoir si... Voilà. Mais la menace sur l'ordre va venir surtout de la nationalisation des biens de l'Église en France. Un certain nombre de biens et de territoires qui appartenaient à l'ordre vont être complètement confisqués et l'ordre va perdre une partie de ses financements. Le 30 juillet 1791, un décret révolutionnaire prononce la déchéance de nationalité française pour tout Français affilié à un ordre de chevalerie ayant son siège à l'étranger. À partir de ce décret, la France laisse l'ordre de Malte à la merci des convoitises étrangères. Le nouveau grand maître, le baron Ferdinand de Homfels, premier Allemand à être élu, amorce une nouvelle politique de reconnaissance étrangère et il va reconnaître le tsar de Russie, Paul Ier, comme protecteur de l'ordre. La France ne peut tolérer cette dérive contraire à ses intérêts politiques. Le Directoire ordonne le 10 juin 1798 à Napoléon Bonaparte de mener une offensive contre l'ordre de Malte. Malte va être encerclée par plus de 300 navires de guerre qui vont contraindre le grand maître à renoncer au profit de la République française. Et le 19 juin 1798, le général Bonaparte occupe le palais Parisot à La Valette et pendant 6 jours, il va légiférer, il va imposer un conseil de gouvernement et il va repartir pour la grande campagne d'Égypte en laissant une garnison de 4000 hommes sous commandement du général Vaubois. Au bout de quelques mois, les Maltais qui ont déjà souffert de l'ordre de Malte vont se rebeller et ne vont pas accepter les lois de la République. Dès lors, ils vont, en se rebellant, ils vont faire plier les Français et ils vont les amener à se confiner à La Valette, où un état de siège va avoir lieu pendant 2 ans. Et pendant cet état de siège, les Maltais vont recevoir de l'aide de bâtiments siciliens, russes, turcs et anglais, qui leur livrent vivres et armes. Après 2 années de siège, ayant épuisé toutes ses capacités de résistance, le général Vaubois capitule le 5 septembre 1800. La France va se retirer, et s'étant retirée, Malte va être livrée aux Anglais. L'Angleterre se déclare souveraine sur l'archipel le 8 décembre 1800 et y installe Alexandre Bâle comme gouverneur de l'île. Le traité de paix du 30 mars 1814 stipule précisément « L'île de Malte et ses dépendances appartiennent en toute propriété et sa souveraineté à Sa Majesté britannique. » Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, Malte est une place stratège pour le Royaume-Uni, qui peut, grâce à sa position à Malte, avoir une certaine domination sur la Méditerranée, contrôler le canal de Suez, permet aussi de bombarder les armées italiennes et allemandes jusqu'aux confins de l'Afrique du Nord. L'île de Malte obtient une autonomie en 1947, un statut de dominion en 1955 et se déclare unilatéralement indépendante en 1962. Jusqu'à la proclamation du Malta Independence Act, qui reconnaît officiellement l'indépendance de l'île le 21 septembre 1964. Je vous en parlerai plus tard, mais historiquement, Malte avait besoin aussi de se raccrocher au continent, d'où ces négociations pour rentrer dans l'Union européenne. On dit plus communément que Malte doit son existence à son insularité naturelle et son indépendance à l'Angleterre. D'où la devise maltaise « À l'Angleterre, grande et invaincue, la voix de l'Europe et l'amour des Maltais confirment la possession de ces îles. » Et puis maintenant, je vais vous parler de l'histoire de la principauté de Monaco, je vais comparer les 2 États. La principauté de Monaco, c'est la plus ancienne dynastie régnante d'Europe. C'est 1,87 km². C'est une population de 32 000 habitants, dont 6 000 monégasques. Mais la survie et la naissance de cet État est liée, et indéniablement liée, à la famille Grimaldi. La principauté de Monaco est née d'un différend au sein de la République de Gênes, entre les Gibelins et les Guelfes. De ce désaccord, François Ier Grimaldi et son fils Rainier Ier quittèrent la République génoise, habillés en moines franciscains, et vont venir s'emparer du rocher de Monaco le 18 janvier 1297. Et pour ceux qui ont déjà visité Monaco, devant le palais, vous avez François Ier Grimaldi, du moins une statue, qui le représente habillé en moine franciscain, où ils sont venus taper à la porte du rocher avec quelques hommes, et ils se sont emparés du rocher en 1297. Cependant, cette prise de Monaco va être de courte durée, puisqu'une amnistie des Grimaldi va permettre aux Gibelins de reprendre Monaco. Mais les Grimaldi vont à chaque fois s'allier avec les puissances du moment pour essayer d'empêcher l'annexion de leurs rochers et surtout protéger leur souveraineté sur ce rocher. Ils vont faire croire aux Génois, qui vont leur concéder la gestion du rocher, qu'ils ont toujours une suzeraineté. Et parallèlement, les Grimaldi vont signer un accord d'amitié avec le roi Robert de Provence. L'histoire du rocher va connaître une longue période d'inconstance politique au cours du XVe siècle. En 1419, Jean Ier Grimaldi, fils de Régnier II, profite d'une crise politique pour revenir en terre monégasque et signer un traité d'alliance avec Florence. La famille Grimaldi s'est toujours s'alliée avec les puissances du moment, comme je vous le disais, et du XVIe au XVIIe siècle, le contexte politique méditerranéen va changer. Le début des guerres d'Italie menées par Louis II rend Gênes et le duc de Milan moins menaçants pour la principauté, alors que de nombreuses annexions du royaume de France nécessitent de nouvelles alliances. Et pour ce faire, les Grimaldi vont s'allier avec les Espagnols. Et ils vont signer le traité de Tordesillas pour passer sous protectorat espagnol. Et ce traité de Tordesillas du 5 novembre 1524 va faire l'objet d'un amendement le 6 avril 1605, et il va permettre aux Espagnols d'installer une garnison d'hommes, de militaires, en principauté. Et cette garnison va être vécue par les monégasques comme une occupation militaire espagnole en terre monégasque, ce qui va les conduire secrètement à passer de nouveaux accords avec la France. Et le 14 septembre 1641, avec le traité de Péronne, ils vont faire en sorte que les Français remercient les Espagnols et que les Français installent une garnison de 500 hommes en terre monégasque. Tout est fait pour à chaque fois s'allier avec les puissances du moment, pour passer les vicissitudes de l'histoire, tout en faisant en sorte que celles-ci ne puissent pas prendre emprise sur eux. Pour autant, Honoré III va quand même, en plus d'avoir l'aide des Français, va quand même affirmer sa neutralité et ouvrir son port à toutes les nations belligérantes au conflit de succession en Autriche. Pour aller très vite, il va y avoir 151 ans de protectorat français. Et à la Révolution française, le rocher, la principauté de Monaco, va disparaître, va être annexé à la France et va s'appeler Fort Hercule. Il faudra attendre la restauration avec les Bourbons et le traité de Paris du 30 mai 1914 dont je vous ai parlé pour Monaco, pour que la principauté de Monaco soit rétrocédée aux Grimaldi, confirmant le traité de Péronne d'avant-annexion. Mais très vite, un second traité va être signé, le traité du 20 novembre 1815, qui va subroger le royaume de Piémont-Sardaigne dans les droits de la France. Et du coup, la principauté qui était sous protectorat français va passer sous protectorat piémont-sarde. À cette époque, au cours du protectorat piémont-sarde, la principauté va connaître une crise politique interne. Monaco, à l'époque, c'était Roquebrune, c'était Menton et c'était aussi Monaco. Et à cette époque, Roquebrune et Menton veulent se séparer de Monaco. Parce que à Roquebrune et Menton, on faisait la culture du citron et Monaco, c'était plutôt la pêche. Et ils avaient plutôt l'impression de tirer les monégasques vers le haut et tout simplement, ils se rendaient compte que la richesse économique de la principauté venait de chez eux. Suite à cette crise politique, Napoléon III va se dire médiateur. Et comme médiateur, il va avec les Grimaldi, consulter la population. Cette population va majoritairement par référendum souhaiter son rattachement à la France. Et ceci va se faire après un accord du 2 février 1861. Napoléon III va acheter Menton et Roquebrune à Monaco, et Monaco va perdre les 2 tiers de son territoire. Pour autant, elle va garder sa souveraineté. va garder sa souveraineté, et au cours de la Première Guerre mondiale, pendant que la France fait la guerre, elle va aussi négocier d'âpres accords avec la principauté de Monaco. Pourquoi? Parce que les règles de dévolution de la couronne faisaient que, normalement, l'héritier de la couronne, en l'absence de fils d'Albert II, faisait que la couronne allait revenir à un descendant d'origine allemande. Et ça a dérangé énormément les autorités françaises. Pour ce faire, ils vont imposer à Monaco le traité d'amitié protectrice du 17 juillet 1918. Et ce traité d'amitié protectrice va être plus qu'attentatoire à la souveraineté monégasque. Ce traité stipulait déjà que Monaco devait normalement aligner sa politique diplomatique à celle de la France. Et bien sûr, avant de faire toute négociation diplomatique, devait bien sûr en référer aux autorités françaises. Et puis ce traité stipulait aussi que, faute d'héritier direct ou adoptif, le territoire monégasque formera sous le protectorat de la France un État autonome sous le nom d'État de Monaco. Vous l'aurez compris, tout était fait pour la France, pour garder la mainmise sur la principauté. Cette difficulté que va connaître Monaco, c'est celle que vont connaître aussi d'autres micro-États avec d'autres États voisins. Pour exister, ils vont essayer de rentrer dans les organisations internationales, pour essayer d'avoir une reconnaissance internationale. Monaco va essayer Monaco ne va pas rentrer tout de suite au Conseil de l'Europe, parce qu'il va avoir les mêmes contraintes, on en parlera après. Mais ce traité va en plus se coupler de la réforme constitutionnelle qui va être opérée dans les années 60 à Monaco. Et alors la constitution actuelle de Monaco, c'est la constitution du 17 décembre 1962. Et l'article 1er de la constitution de Monaco dispose « La principauté de Monaco est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France. » Donc là, vous pouvez comprendre aujourd'hui que l'État de Monaco, par son article 1er, est déjà soumis, cet article qui est toujours en vigueur, est soumis aux conventions que la France passe avec les puissances étrangères. Monaco, contrairement à Malte, n'est pas membre de l'Union européenne et elle va adhérer aux Nations Unies beaucoup plus tard. Maintenant, je vais vous parler des accords internationaux qui ont permis à ces deux États d'assurer leur souveraineté interne. Tout d'abord, la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire. En République de Malte, comme tout micro-État européen, on a toujours eu une dépendance de situation, une situation de dépendance monétaire. La raison première, et celle-ci, était avant tout liée à son histoire coloniale. Le traité de Paris du 30 mai 1814, qui fixe définitivement les frontières de l'Europe, impose à Malte l'Empire britannique comme puissance coloniale. De ce fait, la petite île méditerranéenne se voit soumise à la livre sterling, dont le cours légal sera maintenu bien après son indépendance. Le 21 septembre 1964, Malte n'est pas en capacité d'assurer complètement sa souveraineté monétaire, d'où le maintien de la monnaie britannique comme monnaie officielle. Pour autant, la commission de décimalisation est mise en place et la démonétisation de la monnaie coloniale est amorcée jusqu'à l'adoption officielle de la lire maltaise le 19 mai 1986. La lire maltaise, elle aura été de courte durée, puisque Malte va intégrer la zone monétaire européenne le 1er janvier 2008. Quant à la principauté de Monaco, c'est totalement différent. De son côté, Monaco connaît une histoire très différente. Depuis Louis XIII, le système monétaire monégasque est aligné à celui de la France. Bien qu'ayant une monnaie officielle dès 1837, le franc monégasque est indexé directement au franc français avec un taux de change fixe. l'entrée dans la zone euro de la République française devait inévitablement avoir des effets sur la petite principauté. La principauté de Monaco est passée de l'euro officiel par la convention monétaire du 24 décembre 2001 signée avec la France au nom de la communauté européenne. Ce qui est surprenant, c'est qu'un certain nombre d'accords, et je vous en parlerai juste après, sont signés par la France et rentrent en vigueur en principauté. Sur le plan monétaire, ces deux États sont membres de la zone euro, mais ont pris des chemins totalement différents. Le premier prit comme monnaie l'euro, car excepté une courte période de 22 ans, n'avait jamais réellement connu de monnaie nationale. L'arrivée de l'euro qui lui permettait de tirer profit d'avantages monétaires non des moindres. A l'inverse, le second a toujours eu une monnaie nationale frappée directement par la Banque de France, ce qui lui permettait d'avoir une monnaie à l'effigie de la principauté, tout en ayant l'avantage d'être dans la zone française, dans la zone franc-français. Avec l'euro, cette situation n'a pas changé. La Banque de France continue de frapper les monnaies pour le compte de la principauté, en émettant des euros monégasques pris directement sur le quota d'émission des pièces autorisées à la France. Quant à l'union douanière, le domaine des douanes est important car il touche directement la matière économique. C'est pour cette raison que les micro-États européens, qui souffrent d'un territoire microscopique, n'ont pas intérêt à imposer de tarifs douaniers à leurs frontières. Malte et Monaco ont fait le choix d'entrer dans une union douanière pour faciliter leurs échanges économiques. Cette union douanière était nécessaire à leurs importations, dont le nombre est croissant à cause de leur dépendance économique. Alors, l'Union douanière européenne et Malte. L'entrée de Malte dans l'Union européenne fut avant tout pour des raisons douanières. À l'indépendance, dans les années 60, Malte était en situation de dépendance économique à l'égard du Royaume-Uni. Afin de développer son économie, le gouvernement maltais fit le choix de se tourner vers la communauté européenne pour profiter de la zone de libre-échange. L'accord d'association entre Malte et la Communauté européenne du 5 décembre 1970, entré en vigueur en 1971, prévoyait deux phases de 5 ans, dont la première devait conduire à la fin des barrières douanières. Pour des raisons de politique intérieure, il faudra attendre la reprise des négociations dans les années 90 et l'entrée de Malte dans l'Union européenne le 1er janvier 2004, pour que la République maltaise intègre l'Union douanière européenne. En ce qui concerne Monaco, Monaco fait bien sûr partie de l'Union douanière européenne, mais par incorporation à l'Union douanière avec la France, à laquelle elle est rattachée depuis le traité du 9 novembre 1865. Donc c'est pour vous dire, c'est parce que la France a intégré l'Union douanière européenne et que l'union douanière entre la France et Monaco existait, que celle-ci indirectement est rentrée dans l'union douanière européenne. Aucun accord douanier n'est signé entre la Principauté de Monaco et l'Union européenne. Seul subsiste le traité du 18 mai 1963, traité franco-monégasque, qui était venu modifier légèrement le traité de 1865. La principauté, sans avoir signé d'accord spécifique, se voit donc appliquer les mesures douanières prises par la France. Le personnel des douanes est de nationalité française et le produit des taxes est réparti entre les deux États. En ce qui concerne leur neutralité sur l'aspect souveraineté militaire, maintenant je vais parler de l'aspect militaire. Ces deux États ne sont pas en capacité d'assurer la protection militaire de leur territoire. Ils ont de petites armées, servent souvent d'apparat et ont signé des accords internationaux avec des puissances étrangères. La neutralité, elle est faite de deux façons dans ces deux États. La neutralité maltaise, elle est avant tout constitutionnelle. L'article 1er de la Constitution maltaise dispose « Malte est un État neutre, poursuivant activement la paix, la sécurité et le progrès social parmi toutes les nations en adhérant à une politique de non-alignement et refusant de participer à n'importe quelle alliance militaire. » il ressort que la faible armée, 1500 hommes environ, n'a que pour objet d'assurer la sécurité intérieure. Par conséquent, Malte a refusé d'adhérer à l'OTAN. L'armée maltaise a prêté son concours dans le cadre d'opérations européennes au maintien de la paix, notamment en Somalie et en Géorgie, c'est tout. Quant à Monaco, Monaco ne fait pas partie de l'OTAN également. Mais ses rapports internationaux sont limités par la France, historiquement par le traité franco-monégasque du 17 juillet 1918 dont je vous ai parlé, qui disait bien « La France assure la défense, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité de la principauté comme si ce territoire faisait partie de la France. En échange, le prince s'engage à exercer ses droits de souveraineté en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France. » Par conséquent, Monaco se devait, avant toute entente avec une puissance extérieure, devait faire en sorte d'avoir une entente préalable entre le gouvernement princier et le gouvernement français. Cet accord a été abrogé parce que, et comme l'a dit le professeur Wassenberg, quand Monaco a voulu rentrer dans le Conseil de l'Europe, on a jugé que ce traité était trop attentatoire à sa souveraineté et à son indépendance. Il a été abrogé et il a été remplacé par le traité d'amitié et de coopération du 24 octobre 2002 qui stipule, et c'est là où vous allez voir la différence entre les deux traités, « La République française assure à la principauté de Monaco la défense de son indépendance et de sa souveraineté et garantit l'intégrité du territoire monégasque dans les mêmes conditions que le sien. » Donc on a juste réécrit légèrement les articles que je vous ai lus avant. En échange, la principauté de Monaco s'engage à ce que les actions qu'elle conduit dans l'exercice de sa souveraineté s'accordent avec les intérêts fondamentaux de la République française dans les domaines politiques, économiques, de sécurité et de défense. Une concertation appropriée et régulière y pourvoit en tant que de besoin. Vous aurez compris que la principauté de Monaco est indirectement un État neutre. Elle ne peut pas déclarer la guerre, déjà pour des raisons matérielles. Elle s'est aliénée en partie à la politique internationale de la France et son armée est l'une des plus petites au monde. 113 gardes carabiniers qui se composent de gardes de nationalité monégasque, mais également de nationalité française. C'est plutôt une armée d'apparat qui est là plutôt pour assurer la sécurité intérieure. Maintenant, je vais vous parler de la souveraineté fiscale de la Principauté de Monaco. Dès 1869, la Principauté de Monaco exonère d'impôts directs les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité. Cette situation avait l'avantage de permettre d'exonérer d'impôts directs les Français résidant en Principauté et travaillant en France. Pour autant, cette situation va générer des conflits avec la France. En 1962, le général de Gaulle s'emploie à faire changer cette situation et de longs pourparlers sont engagés avec la Principauté. À cette époque, le ministre d'État, Émile Pelletier, ministre d'État à Monaco, c'est l'équivalent du Premier ministre en France, vient d'être démis de ses fonctions par le prince Régnier III suite à un désaccord avec les exigences du gouvernement français et du général de Gaulle. Par réaction, le gouvernement français va mettre en place des postes de douane temporaires et engage un processus de révision des accords douaniers, postaux et fiscaux avec la Principauté. Le contentieux franco-monégasque repose sur le refus pour le gouvernement français de voir une enclave en terre française au service de personnes physiques et morales avides d'avantages fiscaux. Avant 1963, à partir du moment où on avait fait cet acte de résidence en Principauté depuis 5 ans, on pouvait être exonéré d'impôts directs au bout de 5 ans. Avec le traité qui va être imposé par la France, on va demander tout simplement que les personnes que seules ne peuvent être exonérées les personnes qui ont fait cet acte de transfert au plus tard le 13 octobre 1957. Et là, on va insérer en droit fiscal français une exception. Le droit fiscal français impose les gens indépendamment de leur nationalité. Exception à Monaco. À Monaco, toute personne qui n'a pas fait cet acte de transfert au plus tard le 13 octobre 1957, donc qui a transféré sa résidence à Monaco, toute personne qui réside à Monaco passé cette date et qui par conséquent a fait cet acte, va être soumise à l'impôt en France. La trésorerie de Menton, qui est juste à côté, s'occupe des Français qui résident à Monaco et fait en sorte de s'assurer qu'ils payent leurs impôts en France comme s'ils résidaient en France. Et donc, par conséquent, on va avoir une extension fiscale du territoire français sur le territoire monégasque. Et bien sûr, ce régime qui s'appliquait pour l'impôt sur le revenu a été, par convention, signé le 26 mai 2003, a été mis également en place pour l'impôt sur la fortune. Voilà. Je ne vais pas rentrer sur l'impôt sur les sociétés et je vais passer à la reconnaissance internationale. La reconnaissance internationale. D'une part, on va avoir les micro-États historiques dont je vous ai parlé. Les micro-États historiques, notamment comme Monaco, vont, eux, avoir des difficultés dès le début du siècle dernier, début du XXe siècle, à avoir une véritable reconnaissance internationale. Mais avant toute chose, ces micro-États vont avoir une difficulté liée à deux facteurs. Tout d'abord au ius tractatum, c'est-à-dire le facteur de la signature des traités. L'article 6 de la Convention de Vienne sur les traités du 23 mai 1969 stipule que tout État a la capacité de conclure des traités. Pour autant, l'exiguïté caractéristique de la principauté de Monaco est un handicap dans l'exercice du ius tractatum, ce qui n'est pas le cas de la République de Malte, qui n'a jamais eu besoin d'un autre État pour exercer sa capacité à signer des accords internationaux. Certains traités signés par la France engagent de plein droit la principauté de Monaco. C'est notamment le cas dans le domaine économique et plus particulièrement en matière d'union douanière, postale ou monétaire. Juridiquement, son territoire se retrouve confondu avec celui de la France au point de n'en former qu'un. Dès lors, l'ensemble des accords signés s'appliquent automatiquement à la principauté. Ils sont signés par la France et ils s'appliquent automatiquement par la principauté. D'une autre manière, il est même arrivé que la principauté se fasse représenter par un autre État pour signer des accords internationaux, et là, bien sûr, c'était la France. Ce procédé témoigne surtout de l'absence de moyens matériels et humains concrets permettant à Monaco d'assurer pleinement l'exercice de sa capacité juridique internationale. Et ce problème que rencontre Monaco, c'est un problème que rencontrent d'autres micro-États, comme le Liechtenstein, comme la République de Saint-Marin, comme la Principauté d'Andorre. Et puis le droit de légation. Alors le droit de légation, on en a parlé juste avant. C'est le droit d'accréditer des diplomates à l'étranger et c'est le droit de recevoir des diplomates sur son territoire. Et là, il s'avère que Monaco, par exemple, n'a pas d'intérêt à avoir des ambassades dans tous les pays du monde, puisqu'elle n'a pas de ressortissants dans tous les pays du monde. Elle n'a pas... et par conséquent, les autres États n'ont pas forcément toujours d'intérêt à avoir une ambassade à Monaco. Et donc là, on va avoir des accords internationaux qui font que l'ambassade de France va représenter les ressortissants monégasques à l'étranger et un certain nombre d'ambassadeurs en France vont également être ambassadeurs pour la France et puis pour le territoire de Monaco. La principauté ne compte que 9 ambassades dans le monde et a accrédité uniquement 20 ambassadeurs. Voilà. Quant à Malte, Malte dispose de 32 ambassades à l'étranger et lorsqu'elle a des problèmes consulaires, le Commonwealth permet aux ressortissants maltais de bénéficier du service consulaire britannique à l'étranger. Maintenant, je vais vous parler de la reconnaissance internationale. Au-delà de la personnalité juridique et de la capacité juridique dont je vous ai parlé et des difficultés que vous rencontrez ces États, les micro-États européens, et notamment Monaco, ceux de la première génération, vont avoir une difficulté à être reconnus sur le plan international. Ils étaient minuscules. Et des États minuscules ne sont pas forcément reconnus, ne sont pas reconnus aussi facilement que de gros États. La République de Malte, elle a fait le choix de rentrer dans l'Union européenne tout de suite, parce qu'elle a voulu s'accrocher au continent, et puis bien sûr, il n'y avait aucune difficulté pour elle à être reconnue en tant qu'État à part entière. Elle n'a pas eu les mêmes difficultés à exister. C'est un État insulaire, et elle n'a pas eu à connaître autant de vicissitudes que les micro-États du continent. Ce qui fait que Malte a fait le choix de rentrer dans l'Union européenne et Monaco a fait le choix de ne pas rentrer dans l'Union européenne. L'Union européenne est une organisation qui favorise par sa nature les gros États. Les contraintes politiques qu'elle engendre ainsi que les frais de participation sont des inconvénients dissuasifs pour les micro-États. Dans le cadre d'une admission, leur faible population les obligerait à être représentés par un faible nombre de députés européens et devoir en contrepartie appliquer une politique imposée par leurs voisins. De surcroît, pour beaucoup d'entre eux, notamment pour la principauté de Monaco, l'entrée dans l'Union européenne est vue comme une diminution de souveraineté. Mais il y a aussi une autre explication. Cette explication est liée notamment à la construction de l'Europe à la carte. Pendant plus d'un demi-siècle, l'Union européenne s'est construite au gré de traités successifs d'intégration communautaire, laissant leur ratification progressive aux États européens. Les micro-États européens ont profité de cette situation pour choisir les traités qui leur étaient nécessaires et parfaire leur politique douanière, monétaire et économique. Monaco, comme les autres micro-États continentaux, a profité de la construction européenne pour ratifier les traités qui lui semblaient les plus avantageux, tout en garantissant sa souveraineté pleine et entière. Pour autant, une communication de la Commission européenne du 20 septembre 2012 dit clairement et met en évidence le fait que les micro-États européens, et notamment Monaco, rencontrent des obstacles d'accès au marché intérieur. Ne faisant pas partie de l'Union européenne, la libre circulation des marchandises et des personnes, de même que la liberté d'installation ou d'entreprendre, peut parfois poser de sérieux problèmes. C'est pour ça que différents statuts ont été envisagés. Tout d'abord, le fait de faire différents accords sectoriels par branche, suivant les domaines, négociés avec la Commission européenne. Une participation à l'espace économique européen, mais pour participer à l'espace économique européen, ça nécessite soit de rentrer dans l'Union européenne, ce que ne veulent pas les micro-États, soit de rentrer dans l'Association européenne de libre-échange, mais pour rentrer dans l'Association européenne de libre-échange, qui est une autre organisation internationale, il faut déjà des accords négociés avec l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège et la Suisse. Et en plus, l'AELE prend des positions communes, ce qui fait que ça pourrait aussi porter un préjudice à cette organisation qui aujourd'hui fonctionne très bien. Le fait d'y insérer des micro-États pourrait peut-être créer des difficultés, des dissensions, des problèmes politiques. C'est pour ça que ce qui a été privilégié, et aujourd'hui Monaco est en négociation avec la Commission européenne, ce sont les accords cadres d'association. Les accords cadres d'association, ce sont souvent, avec l'Union européenne, les prémices des adhésions futures. L'accord cadre d'association avec l'Ukraine, vous avez vu les enjeux politiques que ça a donné. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un accord cadre d'association. Il autoriserait un accès partiel ou intégral de la principauté de Monaco au marché intérieur, voire sa participation dans d'autres domaines, d'actions de l'Union européenne, comme la justice ou les affaires intérieures, l'agriculture, la pêche, la politique régionale et la politique étrangère. Pour autant, ça pose des difficultés. Pour qu'un tel accord rentre en vigueur, il faut l'accord du Conseil national, il faut l'accord du Parlement de Monaco. Et là, aujourd'hui, les Monégasques sont en véritable... Il y a un véritable débat politique dans la société monégasque. Ils veulent préserver plusieurs choses. Déjà, la principauté de Monaco, elle a peur de la liberté d'installation, de la liberté d'entreprendre, de la liberté de circulation, mais elle veut surtout privilégier certains principes. Le principe de priorité nationale et l'autorisation préalable d'installation. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'on puisse s'installer librement sur son territoire, et elle veut aussi que dans les concours administratifs, les monégasques soient prioritaires sur les Européens. Les négociateurs européens font des principes de liberté d'entreprendre, d'installation, de circulation des marchandises et des personnes, des conditions non négociables qui posent problème pour une partie de la classe politique monégasque. Cet accord cadre d'association en cours de négociation avec le gouvernement monégasque ne pourra entrer en vigueur qu'avec l'accord du Parlement monégasque. Et là, aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes ont lieu. Et quand on regarde et quand on lit la presse monégasque, on se rend compte que les ressortissants monégasques s'interrogent si leur classe politique est bien au fait de l'actualité et si elle pondère bien les enjeux pour la principauté de signer un tel accord. Monaco, c'est aussi, si elle a aussi cette appréhension de l'Union européenne, c'est aussi lié à son adhésion au Conseil de l'Europe. Dernier micro-État européen à avoir adhéré le 4 octobre 2004, l'évaluation préalable à son adhésion fut plus complexe que pour le Liechtenstein en 1978, que Saint-Marin en 1988 et Andorre en 1994. Pour ce faire, Monaco dut revoir ses accords avec la France, car ceux-ci ne garantissaient pas son indépendance. Il lui fallut revoir les règles de dévolution de la couronne princière, les conditions d'acquisition de la nationalité, ainsi que les conditions d'occupation de certains postes dans la fonction publique monégasque. Pour autant, ce que Monaco a eu et ce que n'ont pas eu les autres micro-États, c'est de se conformer aux standards OCDE pour ne pas figurer sur la liste noire des ETNC, des États et territoires non coopératifs établis par l'organisme en 1999. Ces standards imposaient aux États la signature de 12 conventions d'échange en matière de renseignement, 12 conventions d'échange internationaux. Quant à Malte, Malte est le seul État, le seul micro-État, le seul... au sens que je l'entends, micro-État à être membre de l'Union européenne. Ceci est lié à son histoire, ceci est lié à son insularité. La signature d'un accord d'association entre Malte et la communauté européenne s'est faite en 1970 par opposition avec son ancienne colonie britannique. Elle a pu avoir le libre-échange, l'union douanière, et bien sûr, Malte accepta par référendum en 2003 son adhésion à l'Union européenne qui se fit en 2004. Juste, je vais vous parler de deux choses et après je finirai. Je vais vous parler des Nations Unies et du Commonwealth. Je vous ai bien parlé, il y a deux types de micro-États selon ma définition. Il y a les micro-États historiques et à les micro-États issus de la décolonisation. Les micro-États historiques, Saint-Marin, Monaco et le Liechtenstein, à l'époque Andorre était en coprincipat et ne pouvait pas librement exercer sa souveraineté internationale au début du XXe siècle, se sont vus refuser l'entrée à la Société des Nations. Et ce refus d'entrée à la Société des Nations eut des effets pendant tous les processus d'adhésion qui se sont succédés au sein des Nations Unies. Se sont vus refuser. Il faudra attendre la décolonisation pour que les mentalités changent au sein des Nations Unies. L'organisation a pris la mesure de l'incohérence de ses statuts. vocation universelle de l'organisation, avec la non-admission de certains États à cause de leur petitesse. On n'acceptait pas que des États qui représentent 0,002% de la population mondiale aient une voix qui compte autant que de gros États à l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour autant, cette admission fit débat au point qu'une délégation américaine a demandé qu'on rédige des projets de statuts pour faire adhérer ces petits États ou pour leur permettre de participer à l'organisation sans avoir cette contrainte d'avoir une voix qui compte autant que de gros États. Alors il y avait deux types de projets. Les projets où on n'a pas besoin d'amender la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire une simple participation aux institutions spécialisées onusiennes, donc calquées sur le statut des États non membres. Les micro-États peuvent adhérer à des institutions spécialisées, contribuer aux travaux, sans que leur budget soit affecté. L'accès à l'organisation ne leur est pas interdite, toutefois, ils sont privés de droit de vote. On avait aussi une participation limitée comme observateur. Un statut d'observateur capable seulement d'émettre des déclarations gouvernementales, sans participation ni droit de vote à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis après, on avait les statuts qui nécessitaient d'amender la Charte des Nations Unies. Alors, on avait un projet de confédération d'États. Un projet américain envisageait de mettre en place une région en regroupant les petits États bénéficiant de l'équivalence de la participation d'un membre. Donc, par continent, on avait les petits États. Ils devaient se mettre d'accord entre eux. Et bien sûr, ils votaient pour un membre. Ce n'est plus l'État qui dispose d'une voix, mais c'est bien sûr le groupe. On avait aussi un projet de pondération des droits de vote à l'Assemblée. L'instauration d'un droit de vote pondéré en fonction du poids de l'État a été envisagée. On avait un projet de statut de membre associé. C'était une étude qui avait été demandée par une délégation américaine et un comité d'experts du Conseil de sécurité s'était posé la question. Il proposait que les membres associés sans droit de vote, sans présence à l'Assemblée générale et sans obligation financière, en contrepartie d'une simple participation à des organes. Et puis un projet de membres sans droit de vote. Vous l'aurez compris, il aura fallu que les micro-États issus de la décolonisation, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, existent, pour que les mentalités aux Nations Unies changent, et pour que Malte en faisait partie, puisque Malte est rentrée dans les années 60, pour que Monaco, le Liechtenstein, Saint-Marin intègrent les Nations Unies dans les années 90. Et puis pour finir, je veux juste vous parler du Commonwealth. Le Commonwealth parce que c'est en lien avec la République de Malte. Il y a eu plusieurs types de colonisation. La colonisation française était plutôt une colonisation de territoire. On occupait les territoires, on créait des hôpitaux, on créait des infrastructures, on se mélangeait avec la population, et c'est souvent des colonisations qui ont été douloureuses à l'indépendance. Les colonisations anglaises, ce sont surtout des colonisations économiques. Et les Anglais, lorsqu'ils ont entamé des processus de décolonisation, ont mis en place le Commonwealth et ont fait en sorte que ce Commonwealth qui a été fondé en 1949 avait pour vocation d'entretenir les liens forts qui unissaient les anciennes colonies avec l'Empire britannique et il devait en fait remplacer les conférences impériales de l'Empire. Et donc, Malte est devenue indépendante, mais est restée dès son indépendance membre du Commonwealth. Et en restant membre du Commonwealth, bénéficie des avantages. On n'a pas d'ambassadeur entre États membres du Commonwealth, mais on a des hauts commissaires. On a une citoyenneté du Commonwealth qui permet dans certains États de voter aux élections locales, de même que dans certains pays, en l'absence de services consulaires appropriés, les ressortissants des États membres peuvent se tourner auprès des services consulaires britanniques. Au-delà de l'abaissement des droits de douane entre les États membres, on a aussi un certain nombre de principes communs qui sont véhiculés en matière de droits de l'homme, l'égalité entre les hommes, la démocratie, l'état de droit, le développement durable et la protection de l'environnement. Pour conclure, la République de Malte et la Principauté de Monaco ont une histoire européenne très singulière de par leur géographie, ce qui explique qu'ils aient tissé des relations internationales et diplomatiques différentes. La principauté de Monaco étant un micro-État de la première génération, les difficultés qu'elle a rencontrées pour acquérir sa souveraineté et sa reconnaissance internationale ne sont pas comparables à celles de la République de Malte. Il en ressort que Monaco a fait le choix de ne pas entrer dans l'Union européenne au risque de perdre une souveraineté si difficilement obtenue, alors qu'à l'inverse, la République de Malte, État insulaire, est entrée dans l'Union afin de se raccrocher au continent. Issue de la décolonisation, l'admission de Malte aux Nations Unies fut moins compliquée que celle de Monaco, qui avait déjà subi l'affront d'un refus devant la Société des Nations. Pour autant, subsistent de nombreux points communs entre ces deux États, qui sont liés à leur appartenance au continent européen, à la protection séculaire d'un autre État, à leur fiscalité avantageuse et à leurs caractéristiques géographiques. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a alguna persona que vol fer unes preguntes? Moltes gràcies. Doncs vull donar les gràcies a tots els presents fins a l'últim moment i també als diferents conferenciants per haver vingut i per haver-nos explicat tota aquesta temàtica sobre els microestats. Moltes gràcies a tots i fins al 22 de febrer, que serà l'última conferència sobre els microestats europeus. Gràcies.